regular recording. I just did. Bonsoir, merci encore une fois sur la plateforme IT du Action, dimanche 1er novembre 2020, nous avons un nouveau rendez-vous. Avant de commencer, nous avons un monde qui est sous groupe là, sur la plateforme là, qui est anniversaire, il a tellement fait ça pour toute la communauté. Hein. La surprise que nous faisons ça pour les jeudi, hein, c'est M. Joseph Deschiri. Heureux anniversaire. Et jeudi, nous avons un rendez-vous plutôt spécial, un rendez-vous de circonstances, pour une conférence bien spéciale. Haïti du Action, avant même que nous commencions, c'est juste un rappel, quand même que nous voulons que plateforme n'a été une plateforme son espace scientifique ouvert à tout débat. Et l'IT Education nous croit fermement que si vous pas sorti des sentiers battus, vous pas changer rien. Si vous êtes dans la boîte là, vous avez répété même ça que vous fait déjà. Et nous croit tout que pour permettre la créativité ou émanciper et produire, eh bien, ou pas qu'à l'affaire sujet tabou. Et c'est un engagement que nous prenons pour nous aborder n'importe qui sujet qui concerne la communauté d'abord, mais le monde en général. Et nous connaissons une histoire difficile et un plus gros crime qui a été fait avec nous, plus gros outils qui étaient plus gros crimes contre nous-mêmes dans la question de l'esclavage, dans sous-ancêtre nous. C'était diffamation, c'était dénigrement. Et l'état pral terrible, c'est le yo systématisé. Quel que soit côté viré dans structure sociale yo, eh bien ou joine ni depuis dans certaines pratiques de religion, tomber dans l'école, passer dans livre, tomber dans cinéma, passer dans théâtre, conversation, interaction, bref, ou joine ni tout côté. Et ça qui est triste là, c'est là où on joindre la mentalité. Et c'est là dégâts scellés. C'est là le rentrer dans la mentalité et malheureusement, il rentrer dans la mentalité même victime. Yo. Et malheur, ils ont intériorisé. Et c'est ça qui fait, et ça qui justifie un travail sans relâche que un pile compatriote a fait dans la communauté hein, pour déconstruire un travail qui est aussi dur, qui est aussi pénible. Qui fait sous nous. Et j'en nous connais non, et il n'y a pas manqué par pointer nous, mettre nous en bas projecteur depuis le collège pour nous, passer dans l'épaisseur bouche nous, tomber dans la morphologie nous, passer dans l'air nous, tomber dans la texture cheveux nous, pour y aller rentrer dans des aspects qui sont subtils. Langue nous parler, croyance nous, pratique sociale nous, en rien pas quitter de côté. Tout ça caractérise nous net qui touche nous de loin ou de près, eh bien, il est qualifié de mauvais. Et le travail a tellement fait que le vin difficile pour en pile dans nous, pour nous jouer enthousiaste, pour nous même aller à chercher, découvrir propre tête par nous. Et pas bon bagage qui est terrible, c'est l'heure où maintenant mon niveau. Pour l'accepter que li pas bon et li l'aide. Rele ça son thérapie collectif, l'ochito a bien analysé crise qui gagne la communauté noire, son thérapie collectif. C'est goumen à goumen pour nous qui gens nous ka réconcilier propre tête nous à nous même encore.
et son passage obligé, puisque l'Haïti est du action, nous croyons tout que quel que soit généreux, la nature a généreux avec vous, dans le sous-sol, pour le bon ressources, quelle que soit l'opportunité gagnée à disposition, que c'est la région, que c'est dans le pays ou autre, depuis ressources humaines, depuis le monde dans le pays, pas en santé émotionnelle, depuis le monde dans le pays, pas dans la condition pour émanciper, toutes ressources ça yo pas servi à rien. Nous avons des sujets aujourd'hui, hein? Nous pas apologie aucune pensée unique et ni non pas apologie aucune religion encore. Nous insister aucune. Mais nous avons partagé toute information que nous jugeons utile dans l'espace ça que nous devons espace scientifique. Toute information, n'a fait partager ça avec respect, avec tolérance, toute information que nous pensons qui est capable d'aider le travail de déconstruction ça que nous avons essayé de faire, particulièrement déconstruction certains préjugés. Parce que nous persuadons dans l'IT d'action que l'irresponsable pour gagner une position arrêtée par rapport à un bagage pour ne pas jamais être une chance pour qu'on ait, pour qu'on puisse s'allier ou sauf ou pour relayer ça au dire. Et dans toute culture, dans pile culture, dans notre religion tout, il fait référence à défunt et gon bonne partie tout dans pratique culturelle et religieuse dans la réalité haïtienne dans tout qui fait référence à ça. À défunt nous yo. Jodia en 1er de novembre les morts fête défunt dans l'autre croyance il y a célébré l'autre bagaille tout jodi a pourquoi pas n'a pas approcher question ça la réalité pas nous pour nous connaître qui ça gagne la donne c'est croyance ce mode de vie religion sorcellerie ah n'a pas ça pied joint sur question sorcellerie ça qui tellement fait dégâts, son autre histoire, son autre palais, son autre présentation, son bagage qui l'a bien longtemps et qui fait le tour du monde, qui visite tout continent, en pile pays, et en fin de compte, le a analysé là, après tout dégâts, après tout sang qu'elle a donné, eh bien, mot-clé, pour y analyser lui, eh bien, c'est superstition, c'est intolérance, c'est manipulation, c'est intérêt, c'est discrimination. Son histoire trop sanglante, son pratique qui est trop courante pour nous quitter nous prendre ça, nous quitter le de côté. Jodia n'a pas entré, l'on a fait pas. Loi, guédé, qui rapport gagné en vivant à moun qui mourio dans yon religion, pour ne pas dire religion qui prédomine en dedans réalité noire, qui se vaudou la caille. Un sujet délicat que n'a pas abordé aujourd'hui et conférencier nous son monde qui gagne qui taille une réputation dans une méthode pédagogique qui est assez extraordinaire qui sait désacraliser cet sujet pour nous bien placer en bas loupe la science en bas loupe l'histoire et nous toujours dit son exercice qui a deux aspects la donne les bons côtés intellectuel et son acte de courage tout particulièrement l'a nager à contre-courant. Docteur Jean Fusemé, bon doctorat dans la faculté de théologie dans l'Université Montréal en 2003. Ils sont spécialistes en questions religieuses et culture en modernité. Thèse d'ailleurs est portée sous christianisme et le vaudou haïtien. Il a une maîtrise en histoire médiévale dans l'Université McGill et mémoire, c'était sous Renaissance et protestantisme. Il a une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international dans l'École d'administration publique de l'Université du Québec en 2012. En plus de ça, il a complété la scolarité doctorale
pour être capable de gagner un doctorat en administration des affaires dans l'Université Sherbrooke, qui est une démarche qui est en cours. Les consultants et formateurs agréés en gestion d'entreprise, les auteurs de 10 monographies, chercheurs en management interculturel et analystes politiques. Docteur Jean-Philippe Aimé a vécu depuis plus environ 30 années au Québec. C'est la deuxième visite sur la plateforme Haïti du Action. C'est avec même plaisir, même chaleur que nous avons demandé nous et d'en accueillir Docteur Jean-Philippe Aimé. Docteur Jean-Philippe Aimé, bonsoir. Bonsoir, Rossini Bozil. Merci pour yon si bel accueil. Merci aussi pour l'invitation que nous t'ai lancé moins pour que nous capables partager un petit peu ça que recherche moi permet moi comprendre soit fait loi, soit fait guider. Bref, sous rapport nous avec affaire défunt. Donc on va connaître si nous recevons bien, est-ce que très bien. OK, nous recevons très bien. Voilà. Okay. Donc, eh bien, même Jean, titre conférence nan Dili, eh bien, jodia, à l'occasion du 1er novembre, la veille de novembre, nous connaissons qui est important ça gagne en Occident, c'est fête de la Toussaint, côté que il y a pour vénérer tout le monde que l'Église catholique t'est canonisé, c'est ça, les saints. Et si vous regardez, il y a gagné un certain nombre de points communs. 3-4 saints, ça y est, sorti en Europe. Et il y a un entrée que vous avez trouvé tout, c'est que il y a très peu de qui même couleur avec moi-même avant. Donc, nous comprenons que c'est un bagaille d'occidentaux. C'est ça que fait dans spiritualité vaudou, yo pas parler de affaire la Toussaint, yo parle plutôt parler de fête mort, yo parle parler de fête guédée. Et fête guédée a son gros affaire et nous voyons qui est importance li gagnen dans culture populaire nous, qui est importance que le gagnen dans a fait spiritualité vaudou. Mais c'est aussi un prétexte a fait 1er novembre ça pour nous réfléchir sur qui rapport que spiritualité vaudou établit entre vivants avec ancêtres. Et où est que déjà j'annonce les couleurs, m'a dit qui rapport que vaudou établit entre mort et vivant, parce que dans la spiritualité vaudou, les morts sont vivants. Je suis conscient de oxymoron, ça, monde qui est expert en littérature, t'avare les saillons oxymoron, un bagage qui semblait, yon contradiction en apparence, yon bagage qui semblait opposé. L'homme dit que mort est aussi vivant que nous-mêmes, et c'est très vrai, pas gagné, du tout doute dans l'esprit. Yon moun ki situé li nan spiritualité vaudou que yon moun ki mouri son moun ki cesse d'exister. C'est ça qui fait li important et c'est un objectif que nous poil poursuivre, c'est creuser à faire rapport que nan spiritualité vaudou nous établi entre moun kap viv sous terre les humains avec moun qui est rendu sur d'autres plans que nous parlerait l'esprit et que nous parlerait les lois et on a famille loyaux c'est guidé que yo célébré en Haïti depuis déjà fin septembre mais plus sûrement jodia avec demain. Bon. L'important tandis que nous pour plonger dans sujet pour nous ouais, gens que dans le vaudou, ils concevoient la vie. Dans le vaudou, la vie sont continuum.
gagne une dimension prématérielle là-dedans. Ça veut dire avant même que m'te habité ce corps, essence moi t'es déjà là. L'homme vient habiter ce corps, c'est un autre moment dans la vie. Et lorsque me quitter ce corps, côté que me voile dématérialiser mon corps, c'est un autre moment. Mais tous les trois moments ça y est, c'est-à-dire moment qui t'est précédé moment que m'étais dans corps là, moment que m'étais dans corps là, moment qu'a poil suivre l'homme qui te corps là, eh bien, yo tous les trois formés, ça ne relè yon continuum. Et c'est ça que fait même vocabulaire, moun ki nan spiritualité vaudou, li spécial, pour parler de ça que en Occident relè la mort. Le yon moun ka pratike vaudou mouri, li di moun nan jambé. Ça veut dire l'équité plan ça, l'équité univers ça, mais pèlerinage là, la poursuivre. C'est important pour nous capables de saisir ça parce que la mort dans le vaudou, ce n'est pas une rupture de la vie, ce n'est qu'une traversée. La mort dans vaudou, ce n'est pas la fin de toute forme d'existence, loin de là. La mort dans vaudou, c'est une autre forme d'existence, en sorte que question relation yon moun ka vive sous terre avec yon moun ki décédé, que nre les ancêtres, que nre les esprits, et que certains nan yon pral vin loi, eh bien son rapport qui est aussi dynamique que rapport que yon terrien ou bien yon terrestre entretenir avec on l'autre. Pas gagner dichotomie, pas gagner rupture dans conception yon vaudouisant de ça que n'relé l'an mort. Côté sa sortie, mais c'est parce que vaudouisant les persuader que essence nous, l'espirituel, essence nous, l'immatériel. Et dans ce sens ça, la spiritualité vaudou comparé avantageusement avec d'autres formes de spiritualité antique. L'on fait religion comparée, conception. L'icon utile pour que ou al gade qui sa l'autre forme de spiritualité, qui sa religion l'autre côté, penser aussi yo même tout de cette affaire que vous doit reler l'immatérialité ou bien l'essence de la vie qui est immatérielle. Eh bien, on constatait par exemple que dans les religions à mystère grec, eh bien, c'est une conviction qui est présente aussi, puisque dans les religions à mystère grec, il dit où, par exemple, que l'humain est formé, lui-même aussi, de une dimension immatérielle qu'en grec, il y aurait les pneuma. C'est lui-même qui baille souffle, c'est lui-même que mon nom en latin pour le traduire par anima, et c'est même pneumasa qui baille pneu en français. On connaît l'orgon pneu, c'est un bagaille qui kembe véhicule ou, mais qui ça permet li kembe, c'est parce que il gagne l'air la donne, c'est parce que il gagne un vent la donne. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a comparé justement qui ça un monde qui était comme pratiquer religion à mystère grec te kon constate lorsque yon moun possédé par le pneuma, lorsqu'on moun possédé par l'esprit, eh bien, on constate que gagne les mêmes comportements chez ces religions à mystère grec que m'ka retrouvé, par exemple, dans le vaudou. Yon nan premier bagay yo constate, yo di l'on moun, par exemple, te animé par yon pneuma sacré, n'est-ce pas? Dans les religions à mystère grec, il y en a un premier bagage que l'on a manifesté comme comportement, c'est que l'on a parlé des langues étrangères. Ça que l'on a dit, la glossolalia. Ça veut dire que l'on a parlé des langues que humain pas habitué tendez, et pourtant, l'on n'a pas fou. Et parfois, l'on interprète, d'autres fois, l'on pas interprète, mais c'est
Il y a un premier comportement que yo kon constate lorsque moun sa li sou effet pneumar. Deuxième comportement que yo kon constate la kay moun nan, yo di nou que moun sa kon manifeste des comportements extatiques. Ça veut dire des comportements que yon moun nan kon normal pa kapab fè, mais lorsque moun sa sou effet pneumar, eh bien li manifeste comportement extatique sa yo. Yo parle aussi de la voyance moun nan kon wè sa ka pral passé dans un avenir soit rapproché ou bien dans un avenir lointain. Moun nan tout kon exerce des miracles, ça ne rele la thaumaturgie, ça veut dire moun nan kon fè des choses extraordinaires, li ka touche un moun, li guéri par exemple, li ka recommandé pou li consommer tel remède et puis voilà que contrairement à ça tout moun d'attend moun nan guéri. Bon. Et il y a plusieurs termes dans religion à mystérieux pour qualifier type de comportement ça. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que effectivement, cette conviction que l'humain pas fait seulement de matière, il n'est pas fait seulement de corps, nous retrouvons dans des religions, dans des spiritualités très très anciennes, en sorte que dans le cas ça, la spiritualité vaudou n'est pas ni étrange. Li pa ni barbare, même Jean yo kontan a fè nou kwè, c'est une spiritualité qui procédait autrement que religion occidentale toute récente yo, ça que ndavarele, n'est-ce pas, entre autres le christianisme, ça que ndavarele, n'est-ce pas, entre autres l'islam. Bon, j'ai juste besoin ouvre une petite fenêtre sous religion comparée à pour nous que ça ne boile pas les deux li là dans vos doigts. Phénomène loi, c'est pas un phénomène qui propre au vaudou béninois, c'est pas un phénomène qui propre au vaudou haïtien, c'est un phénomène que nous retrouvons aussi, n'est-ce pas, sous d'autres termes, dans d'autres spiritualités, selon que religion comparée permette nous faire ça. Maintenant, puisque c'est sujet nous, ouais, qui ça, yon vaudouisant, penser de a fait la vie dans ces trois moments, la vie prématérielle, la vie matérielle, la vie immatérielle ou dématérialisée, en sorte que pas gagner rupture, l'homme mourit, c'est jambé le jambé. Eh bien, si vaudouisant gagne conception ça de la vie, c'est entre autres parce que justement, il croit que ça poté la vie, c'est l'esprit, ça poté la vie, c'est loi. Et loi, L-W-A ou L-O-A, puisque c'est un mot qui est dérivé de la langue fon, eh bien, il y a un certain nombre d'acceptions que m'daremen ouais avec nous rapidement, avant que nous mettez un regard particulier sur une famille loyaux que nous relais guider. Voilà. Eh bien, le mot loi, dans la langue fon, il signifie esprit. Pas vrai? Li signifie esprit, en particulier, li signifie dans la langue fond, esprit, divinité, puissance invisible, force redoutable, énergie, etc. Et dans ce sens, ça, au Bénin, loi avec vodoun, dans le fond, yo synonyme, parce que yo tous les deux, que ce soit le mot loi ou bien le mot vodoun, eh bien, yo tous les deux référés à même phénomène yo, yo référé à même réel là, qui réel lié, à savoir l'esprit, divinité, puissance invisible, force redoutable, énergie, etc. Et à partir de l'étymologie ça, nous en mesure, n'est-ce pas, de pointer du doigt un certain nombre d'acceptions que l'on a gagné dans la pratique ou dans les pratiques spirituelles que nrele vodoun. Eh bien, yon mayo, c'est énergie. l'homme, par exemple, chevauché par yon loi, l'homme chevauché par yon esprit, donc yon entité spirituelle, yon entité invisible, premier bagage la pral dou que li te senti li animé dans énergie à laquelle li pas habitué. Énergie ça, son énergie première, son énergie primordiale, et c'est lui-même qui peut
et de lui expliquer telle parole que le poil dit. C'est lui-même qui pourra permettre lui expliquer tel comportement que le poil gagne. C'est lui-même qui pourra permettre lui expliquer tel geste qu'il pourra le poser, en sorte que le vaudouisant a parlé de loi, à part l'étymologie, il a toujours gagné dans l'esprit lui quelque part l'idée que loi sont énergie. Son énergie qui vient avec une personnalité propre, son énergie qui vient avec des traits caractéristiques propres, mais toujours est-il, c'est une énergie, c'est une entité. Et c'est important, cette idée de personnalité propre, c'est important, cette idée de traits caractéristiques propres, parce que c'est ça qui va permettre que yon moun qui initie, pas oublier que le vaudou son spiritualité de type initiatique, et non de type sacerdotal. Ça signifie que bon, un certain savoir qu'on doit gagner pour comprendre un certain nombre de choses. C'est ça qui va permettre que yon moun qui initie pour le dire, ah, mais c'est telle énergie qui sous, c'est pas telle l'autre énergie, parce que énergie qui sous, elle est caractérisée par tel comportement, elle est caractérisée par telle parole, elle est caractérisée par tel rituel, elle remet tel manger, elle remet telle odeur, elle remet telle couleur, elle dégage telle vibration. Mm-hmm. Loi tout gagne pour exception génie protecteur. Et c'est ça que fait, par exemple, c'est ça que les en créole, dans la zone la Kayam, loi raciale, race dans le sens de famille, loi famille. Gen quelques lois qui propre à telle famille, qui propre à telle lignée, qui propre à telle zone, qui propre à tel lakou. On connaît toute importance mot lakou a gagné la spiritualité vaudoua, eh bien, rien d'étonnant à cela, puisque, effectivement... Allez. Oui, m'entendez, on bruit. Est-ce que m'toujours en onde? Oui, ou en onde. OK, d'accord, oui. Donc, loi, donc, gagne un sens de génie protecteur ça. Et c'est ça que fait, par exemple, gagne quelques dates, gagne quelques mois, eh bien, famille qu'on réunit pour bailler loi, famille manger. Et gen quelques malheurs moun yo kon expliquer par le fait aussi que nous pas bay loi ou manger, nous pas bay loi famille à manger. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on gen des moun qui fait des voyages depuis l'étranger, qui sorti très loin pour y aller réunir dans la cour la caillou pour y aller bay loi au sens de génie protecteur là manger, parce que loi gagne sans ça tout. Effectivement. Loi gagne aussi une autre acception. Loi, ça c'est important pour nous dire, l'y référer à un mode d'existence posthume. C'est pas tout monde qui mourit qui gagne le privilège d'accéder au statut de loi. Le statut de loi l'y accordé à un homme strict d'ancêtres méritants, l'y accordé à un nombre strict d'ancêtres ou à eux qui honorable. Et c'est ainsi, par exemple, juste pour un exemple national, gon loi des Salines, mon pape gen loi Pétion, parce que loi, les gagnent sens dans vaudou, dans mode d'existence posthume, c'est comme yon ancêtre qui élevé en dignité dans le monde d'après mort, parce que ça l'était fait, l'était sous terre là, tellement mérité estime, l'est tellement mérité honneur que moun sa, maintenant que le mourit, l'est parvenir à yon état posthume de loi. Mm-hmm. Loi aussi, ça c'est important de le dire, et sociologues mettaient en pile droit sous ça, sociologues et psychiatres tout. Loi aussi, il y a comme exception, ils ont un ensemble de comportements appris. Il y a un monde qui a un symbole à comporter en gens. Il y a un monde qui chevauché par au goût la comporter en gens. Il y a un monde qui chevauché par Jean Danton, la peut comporter long gens.
ainsi de suite, parce que yon moun, par exemple, et c'est le cas de le dire, nous pral gon regard particulier sous Gedeo, yon moun qui chevauché par Gedeo, parce qu'il y a plusieurs, eh bien, la pral agit tel gens, la pral parler tel gens, la pral gon intonation qui pral faire dire ah, comportement ça, li référé à tel type de loi, parce que loi a un sens dans ensemble de comportement appris. Et c'est ça qu'on va le faire, par exemple, que yon psychiatre, yon médecin de tant qu'on Louis Mars, pour parler de phénomène loi, tant qu'on espèce d'ethnodrame, c'est-à-dire gagner yon prédisposition, une espèce de théâtralisation qui mise en place dans la communauté, qui pourra faire en sorte que le loi descende et bon dit ah, mais c'est vraiment un ethnodrame parce que moun sa a joué rôle loi ça comme il faut. Moun qui expert en latin, t'a pas parlé de loi dans sens ça comme une persona. Nous songez dans la Rome antique, yon persona c'était un masque que ont été comporté pour capable jouer un rôle. Et effectivement, loi c'est un rôle. C'est un rôle social, c'est un rôle dans un fort là, c'est un rôle dans communauté là. Par exemple, il y a un monde qui chevauché par Dambala, on pourrait ça tout de suite capable littéralement grimper en pied bois puis colivine pour ainsi dire tant qu'on élastique et puis les pendu non arbre et puis la sorti l'angli tant qu'on d'abadou vraiment c'est un serpent. Donc loi c'est un dans sens ça c'est un comportement. Loi c'est aussi un état de conscience limite, un état de conscience altéré. Un homme qui chevauché par loi en pile fois le pas songer. Souvent ça l'était dit, il pas songer souvent ça l'était fait. Et parce que mon nom, le là pour parler de expérience là, l'abdou que son moi à lui, mon que lié à nom li gobon ange li, on dirait que gobon ange là t'es comme confiné dans un espace côté que l'abga des colli qui pris en contrôle par l'autre entité, par l'autre force, par l'autre énergie, en sorte que oui, il est conscient de sa cap fait nan kol la. Oui, il est conscient de sa cap dit par bouche li. C'est dans ça sa que grec yo pour dire que l'or chevauché ou vinon organon, ou vinon instrument. Oui, il est conscient de quelques gestes que l'a posé. On a mangé tes son bouteille. L'a lavé partie génitale li avec piment. Li qu'un bon bar de fer qui chauffait à blanc. Li wè kol a fait ça, mais le conscient aussi que ça kap fait là, li fait par yon entité autre, yon entité qui différente de lui-même. C'est ça que expert yo nan domaine ça rele adorcisme, qui est le contraire d'exorcisme. Ça veut dire que ou habité par yon énergie autre, ou habité par yon persona différent de vous-même, et qui fait que ou poser des gestes ou dit des paroles ou fait montre d'un comportement auquel ou pas t'attendre. Loi aussi c'est thérapie, son thérapie personnelle, son thérapie collective. Gen moun qui kon souhaitait justement habité par yon loi, qui kon souhaité justement habité par cette énergie, parce que yon dou que énergie, ça a l'entrée dans l'île libérateur. Feu, mon confrère, et qui était d'abord mon mentor et avec qui j'ai fini de développer des relations si intimes que j'ai considéré le temps qu'on a mis, le père Joseph Augustin, Papi Joe, dans ce sens-là, il a écrit un ouvrage, très bel ouvrage, dont je recommande nos lectures. Il dit d'ailleurs que il est le vaudou libérateur. L'abdou que pas bon monde qui fin vive l'expérience du chevauchement dans loi, qui pas parler de lui en termes d'une thérapie, en termes d'une libération, en termes d'une sublimation psychique. Et
lorsqu'on gagne yon, deux, trois, quatre, cinq mondes qui chevauchent par des lois différentes, puis il y a tout noyé, il y a manifesté le comportement qui propre à loi ça, et bien bagay la vin, effectivement, gagne un sens dans thérapie personnelle, li vin gagne un sens de yon thérapie collective. Gagne plusieurs types de familles de loi, gagne yon nan yo ki se loi pétroyo, ça veut dire c'est de loi qui semblait prendre naissance dans contexte créole là, yo même dans langage yo ça et dans famille de loi pétroa gagne guédé que ndaremen dit deux mots sou yo. Guédé, ça c'est important. Souvent le dit ah moun ça gen guédé et guédé vulgaire, guédé dit mot sale, guédé dit guédé fait gouillade, guédé pas gagner justement respect pour monde. Et là son préjugé et me tarer mais des faits. Guédé justement c'est ça c'est important de le dire, c'est un autre type d'esprit qui plus remet compagnie humaine. D'ailleurs dans le panthéon vaudou, dans la mythologie vaudou, guédé c'est seule loi qui a été deux jours, trois jours et même plus à chevaucher moun. L'autre type de loi ne font que passer. Après quelques minutes, le azuli, maîtresse azuli fin passer l'aller. Le tijan d'antor fin passer après quelques minutes l'aller. Mais guédé c'est moun qui remet présence, guédé son esprit qui remet présence humaine parce que li très proche de des hommes, li remet présence humaine. Et le pamino, on dirait que le pavlalé, li font ri, li fait qu'on content. Guédé, c'est esprit qui réduit la vie à sa lavier. Par exemple, Guédé, remendou, la vie à pas rien, c'est deux gouillades, yon coupe des chais. Hein? Bon. Évidemment, pour les oreilles chastes, y a monde qui dit, oh, wow, mais c'est ça, Guédé. Guédé pas gagne inhibition, guédé dit ou toute complication que la vie a vinn compliquée a, en pile fois c'est nous responsable, on nous prend la vie pour s'allier, c'est-à-dire de gouillade yon déchaï, on nous prend la vie pour s'allier, on nous dit bagay yo jan yo yé, on nous relé organe génital là jan lié a que l'organe génital garçon an, mais comment le reler que l'organe génital fia mais comment le reler si on mon apprend pas intéressant le pi bon pas son l'autre guédé a da suspend fait intéressant là mais qui sont fait qui ramène à la réalité humaine et guédé dans vodou il est très très important parce que guédé ça c'est important c'est un esprit qui connaît plus bagaille. Guédé, c'est symbole l'esprit quasi omniscient. C'est ça que fait grand pile moun. Ça, c'est intéressant. Grand pile moun qui pas aimé à la cérémonie côté Guédé parce que ou ka propose ti Jésus nan pokrabou, ou ka propose ti demoiselle qui pa nan rien, et puis voilà que Guédé a monté ton moun, et puis il dit tout bagay wa fait, par exemple. Pas parce que la cherche à vili ou, mais parce que guédé, c'est le contraire de l'hypocrisie conventionnelle. Guédé, c'est le contraire des inhibitions. Guédé, c'est le contraire des strates qui divisent en société, les ramener nous au monde commun qui fait nous, les ramener nous à la patte commune qui fait que tout le monde, c'est monde, pas de monde, pas c'est monde. Guédé, non. Dans la mythologie ou bien dans le panthéon vaudou, c'est un esprit qui est toujours présent. C'est un esprit qui est donc omniprésent, c'est un esprit qui compte tout bagay, il est omniscient et il a grand pile pouvoir. Et il semble dire que le grand maître là, le Maoulissa, ou bien Oloun, quel que soit genre,
dans diverses parties d'Afrique côté Nava sorti. Le grand maître là t'a partagé pouvoir, le t'a partagé connaissance, le t'a partagé omniprésence, lui semble te bail guédé yo plus passer toute l'autre en sorte que guédé comme grand pile bagaille omniscient, mais il te dit omniscient, mais guédé a une connaissance qui tellement vaste que pas semble rien qui échappait ou bien pas semble grand chose qui échappait lui. Et me dit déjà, Guédé, c'est loi qui plus anthropomorphe qui soit, dans le sens que c'est loi qui semblait plus proche du fait humain que n'importe qui loi. Et me dit déjà, c'est ça que fait l'Elvini, l'irrité parmi nous. Guédé, qu'on est faiblesse nous, parce qu'il est proche de nous. Guédé, comprendre problème nous et parce que li comprend ni l'intervenu pour le capable résoudre tant problème matériel que problème spirituel. Mais c'est important pour nous capable faire ça parce que m'oublier que les ancêtres nous sont en Afrique yo rivé dans l'enfer de Saint-Domingue yo vinn joine yon religion que Mathieu t'a pratiqué en sorte que c'était très difficile pour que yo t'ai échappé à mélange, ça nous les mosso bondier, mosso solokoto, donc le syncrétisme en français, qui fait que parfois nous relais guédé l'esprit mort. Guédé pas mort. Bon, on ne vraiment pas comprendre guédé, souvent c'est que guédé c'est mort. Pas dans un qui vivant que l'esprit guédé. Maintenant, l'île cimetière, parce que c'est aboutissement toute vie. C'est là que yo évoqué guédé yo, mais guédé pas mort, esprit guédé pas esprit la mort. Esprit guédé c'est l'esprit la vie dans sa simplicité, la vie dans son exubérance, la vie dans sa perte de toute inhibition, par exemple, la vie dans sa crudité, la vie dans sa nudité. Et puisque même j'en te dis, chaque loi gagne personnalité, yo gen bagay que yo remè, yo gen bagay que yo apprécie, eh bien, c'est ainsi par exemple qu'on wè nan vodou pour saluer présence loi, pour saluer présence l'esprit, eh bien, on kon jete de l'eau à terre. Bien, le se gede, c'est autre chose. Gede remè clairin, li remè soit clair et blanc, mais le clair et tout mélange avec piment. Donc, l'on va le saluer, guédé, c'est souvent le clair et qu'on la gâte, etc., pour capable saluer présence. Guédé, il y a des bagages qui piquent. C'est ça que fait, par exemple, on parle au monde, par exemple, qui chevauché par guédé, souvent, l'on va le prendre piment, il lave les yeux avec lui, l'on va le prendre piment, il lave partie génitale, et puis, sans aucun graissement dedans, de monde qui était chevauché par Guédéa, puisque même j'en dis, leur chevauché par loi ou non espèce de d'état de conscience limite, côté qu'on dit, ça qu'a fait là, oui, c'est pas moi le passé, mais c'est pas moi qui est responsable de lui. Guédéa, tant qu'on s'arrivait dans 3 cérémonies spirituelles, lui remet un type de manger. On dit nous, Guédéa remet à rempile. Hein, pour nous capables parler comme ça. Guédé remè à aran, li remè à aran sel, li remè poisson salé. Guédé remè soit que poisson en boucanin ou bien li en sauce, OK? Mais que la sauce que le boucanin faut mélanger avec gros piment bouc, c'est dans ce sens ça que on dit non seulement parole li piment bouc, là il dit causer, il dit gros causer, mais manger le remè tout c'est manger piment bouc. Li remè cabrit et certains types de guédé remet cochon tout et li remet bœuf et ça c'est important, c'est pas l'idée, ça c'est important mon capable faire ça, c'est pas l'idée de sacrifice tel que nous trouvons li dans d'autres religions de type sacerdotal tant qu'au judaïsme, tant qu'au christianisme, tant qu'au l'islam, dans la spiritualité vaudou, ça n'est l'offrande, non, ça n'est les
service-là, c'est plutôt une fête communautaire. Guédé, c'est un esprit exubérant, son esprit festif. Donc, l'elle paraît, la prend plaisir. Donc, faut le boire clair. L'elle paraît, la prend plaisir. Faut le manger haran. L'elle paraît, la prend plaisir. Faut le manger cabrit. Faut le manger bœuf. Et, m'patale, mais que nous, ouais, ça, tant qu'on tant qu'on a obligation, tant qu'on que sous bagay comme ça, yo pour offrir guédé, non. Guédé souvent chevauché, en pile pas jouen bagay ça, yo, c'est correct. Comprendre que c'est souvent yon projection de ça nous croit sous esprit a, qui fait que nous imaginons que si m'pa bay guédé bœuf, si m'pa bay guédé cabrit, si m'pa. Non. Nous seulement montrons que souvent le guédé là, type de fête que nous avons organisé, à associé à type de repas si là yo, mais il faut pas y voir, n'est-ce pas, une obligation pour guider descendre. Gagner plusieurs types de guider, et c'est avec ça que nous avons terminé pour nous faire place à la question, puisque nous avons parlé déjà depuis un certain temps. Gagner guédé que les vagabonds la croix, gagner guédé Mazaka, gagner brave guédé Nibo qui très connu, souvent on parle de guédo Reléo, brave guédé, gagner guédé Nibo, gagner guédé Pinanchu, gagner guédé Tracé Fouillé, gagner guédé Nouva Vou la croix, gagner guédé Jean-Simon Brutus. Donc on peut comprendre par non que son monde qui te vivent tant que nous-mêmes et qui viennent après un certain temps élevés au rang de yon loi de type guédé. Gagnez guédé réserve la croix, gagnez guédé ramasser la croix, gagnez guédé capitaine Simbo, gagnez guédé traca la croix, gagnez guédé stipide la croix, gagnez guédé wensou la croix, gagnez guédé quelque non guédé. Donc tu vois, et gagner guédé qui portait des noms un petit peu plus cru que ça, puisque nous sommes en plateforme qui publique, nous partager sous sous Facebook, ta gen moun de divers âges cap côté, m'garder moins pour pas nécessairement citer bagay sa yo. Ça nous doit retenir, c'est que ça nous est le divin, c'est une énergie pluriforme. Et on informe que l'y prend cette énergie première, cette énergie fondatrice, c'est forme loyaux. Et contrairement à ça, il t'apprend nous, et mon ami Rossini te fait référence à ça, c'est pas des choses dont nous devons peur, c'est pas des choses que nous devons considérer comme vieux bagailles, bagailles barbares, des choses que nous devons garder de haut. C'était façon ça que en cette noyau t'es expérimenté le divin dans leur chair, c'est façon ça t'es expérimenté le divin dans leur quotidien, et c'est façon ça yo transmettre li de génération en génération. Et on a bagaille que yo apprend nous faire leur faire religion comparée, c'est jamais porter un regard de jugement sur la spiritualité de l'autre. Au contraire, ils invitent à entrer dans la spiritualité de l'autre avec respect pour qu'on soit capable, dans la mesure du possible, capter de l'intérieur sa spiritualité, ça y est. Mais malheureusement, nous-mêmes, qui c'est haïtiens, parce que nous sommes haïtiens, ancêtres, nous avons rien à voir avec ça, parce que nous sommes haïtiens, nous moulons dans la culture, ça, papa, il était nous menti. Pricemas dit vaudou, c'est le ciment de la culture haïtienne. L'homme dit ça, je ne suis pas en train de dire que chaque haïtien, c'est vaudouisant, pas du tout. Même dit, précisément parce que nous sommes haïtiens, nous contendons parler de bagay sa yo, nous t'es exposé soit de près ou de loin à yo. Il s'agit pour nous maintenant de considérer yo pour ça yo, c'est-à-dire façon que ancêtres nous yo t'ai expliqué le monde, façon que yo expliqué yo la vie et façon que yo concevoir, n'est-ce pas, l'existence humaine. C'est dans mot ça yo que m'a clore exposé maintenant
laissant ainsi la place à question ou à échange pour moun qui gagne. Merci parce que nous t'avons écouté. Merci, Dr. Fizeme. Et effectivement, il y a plusieurs questions qui posaient déjà. Et donc, m'a passé la parole et m'a passé l'espace à Baye Nadège. Kapral prend question yo kap li yo pou ou, ou pas besoin fatiguer ou li yo di relever yo et puis la transmettre yo pou ou, la bon lecture yo et puis comme ça n'a prend yo dans l'ordre Jean yo vini. Nadej. D'accord. Et merci docteur Fizeme. Il y a plusieurs questions et qui rive sur Nadej voit très bas. OK. Ça va maintenant? Très bien. Vas-y. OK. Oui, et docteur Fizeme, n'ap di ou, et merci pour présentation. Nous apprenons en pile et sur question loi, type de loi, guédé. Nous avons eu plusieurs questions qui sont venues sur la plateforme. Première question, participant mandé, est-ce que vos douan yo pratiquent le même genre en Haïti et avec l'autre pays côté et avec l'autre pays côté yo fait yo pratiquer vos douan. Li mandé ou tout d'après vous-même, est-ce que vodou noua li connecté au Santeria? Santeria, S-E-N-T-E-R-I-A, m'ba kon sa li exactement. Bien sûr, oui, que nous au Brésil. Là, très autres. Bien, oui. D'accord. Voilà. Donc, merci pour la question. Est-ce que vodouan, tel que, par exemple, li pratiqué en Haïti, est-ce que c'est même vodouan qui est pratiqué au Brésil, est-ce que c'est même vodou ça qui pratiquait à Cuba, est-ce que c'est même vodou ça qui pratiquait en Louisiane, est-ce que c'est même vodou ça par exemple qui pratiquait au Bénin? Pas tout à fait, parce que il y a une différence qui est entre la spiritualité avec religion. Religion basée sur dogme, par exemple en dogme l'Église catholique ou après citer elle telle quelle qu'a homme que ou en Haïti, que ou en Espagne, ou bien qu'ou en France, ou bien qu'ou au Bénin. Parce que c'est un dogme qui ciselé, qui défini par un magistère, et bien qui dit, mais comment pourrait citer? Tandis que spiritualité, elle, il reposait justement sur la liberté, elle reposait sur la capacité de chacun de s'approprier, n'est-ce pas, yon réel ou bien en vérité. Eh bien, c'est ainsi donc que vodou poil en mesure de adapter li à contexte, hein? Li poil en mesure de adapter li au temps, li poil en mesure de adapter li, n'est-ce pas, à un espace géographique donné. Donc, si que ou aller par exemple constater même à l'intérieur d'Haïti, hein, il y a certaines pratiques que vodou est qu'on trouvait dans le nord d'Haïti qu'on pas trouvé par exemple dans la grande danse. Il y a certaines pratiques vaudouesques qu'on a trouvé par exemple dans l'Artibonite mais qu'on pas trouvé dans l'ouest. Ça pas fait un autre vaudou, mais ça montrait souplesse vaudou, hein? Ça montrait diversité, hein? Et ça montrait aussi richesse puisque en matière de spiritualité, diversité c'est toujours un signe de richesse. Donc oui, l'on a regardé, l'on a assisté à une cérémonie Santeria par exemple, ou bien si on assiste à une cérémonie vaudou, bien des pratiques vaudouesques telles que afro-américain fait en Louisiane par exemple, eh bien on pourrait que gagner des nuances, mais base là, tronc rété le même. Donc c'est pas nécessairement un bagaille qui couler dans le béton, tant comme d'avadou son dogme, tel qu'on trouvait dans des religions qui sont basées sur des livres. Spiritualité, nous, tant qu'on culture, nous, laisser en large part à ça qu'on relait oralité. Là, nous dit culture, nous, civilisation, nous, spiritualité, nous, laisser en large part à l'oralité, ça ne signifie que dans cette nous, il n'y a pas de connaissance, ça ne relait culture écrite. Dans pile, dans savoir, yo, qui te transmettent sur des pierres, grand pile dans savoir, yo, qui te transmettent sur des papyrus, le papyrus, n'est-ce pas, au singulier. Mais, précisément parce que laisser en large part aussi à l'oralité, ou bien à l'oralitude, comme M. Littérature dit, eh bien, il y a plus de flexibilité, il y a plus de souplesse, il y a
qui est en même temps un signe de richesse pour nous. Voilà. Très bien, et merci docteur Fizeme. Prochaine question, hein, participant mandé, est-ce que gagne une nouvelle loi? Parce que l'autre a parlé, on t'a dit que faut qu'on mérite pour gagner un titre là. Donc est-ce que gagne une nouvelle loi? Cela va sans dire gagne une nouvelle loi, et c'est tellement que gagne une nouvelle loi que parfois ou qu'on non cérémonie vaudou et puis qu'on loi descend, personne ne va connaître ça. Personne ne va connaître. Nous pas habitués à type de parole ça yo, nous pas habitués avec type de comportement ça yo. Et puis ça comprend des experts, songez samedi à vaudou, c'est en spiritualité initiatique, ça veut dire des monde qui initié, des monde qui détenteur d'un savoir plus avancé pour dire ah c'est pas une loi maison non, c'est pas une loi famille. Eh bien, ça comprend des rituels particuliers pour loi ça a dit mais qui est-ce lié? Mais effectivement, il y a une nouvelle loi. Nous d'accord que dans le panthéon vaudou, tel que les ancêtres nous ont connus au Bénin, pas de loi créée les Dessalines. Tandis que tout vaudou, ils en connaissent, je dis, il y a une loi qui crée les Dessalines, entre autres, n'est-ce pas? Et il y a un débat pour nous connaître est-ce que Toussaint Louverture est élevé au rang de loi? Son débat. Pour pas bon réponse définitive, mais quant à Dessalines, l'éclair, gagnons loi créé l'empereur Dessalines, gagnons loi créé les général Dessalines, gagnons loi créé les papa Dessalines, gagnons loi créé les soldat Dessalines. Donc tu vois, loi c'est un multi, c'est un réel à multiples facettes. Donc oui, gagnons nouveau loi. Effectivement, yon vaudouisan, nan yon langage codé, nan yon langage symbolique, a toujours parlé de la famille des lois qui formait de 401 lois. Mais c'est plutôt yon symbole. Là, on parlait de 401 lois. C'est plutôt yon symbole, n'est-ce pas? Puisque nous connaissons que spiritualité gampile symbolique, les chiffres. Même j'ai dit, c'est le langage des dieux. Les mathématiques, c'est le langage des dieux. Donc, dans le panthéon vaudou, il y a pas le doux. Nous avons 401 lois. Quand il n'y a pas, mais j'en entends de parler de yo. Mais 401, ce n'est pas un chiffre qui, comme tu as dit, ça qui coulait dans le béton. Tu as fait qu'on n'a pas gagné 402, qu'on n'a pas gagné 403. C'est plutôt un symbole. Mais quand il loi que ou pas connaît parce que il pas gars affaire avec famille ou parce que il pas gars affaire avec zone ou parce que il pas gars affaire avec besoin. On comprend que loi c'est des entités qui gagnent aussi des juridictions. Gain loi c'est loi de l'eau. Gain loi c'est loi du feu. Gain loi c'est loi l'air. Gain loi c'est loi terre. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut pas déjà mon cafine qu'on est tout et parfois qu'on devant yon ou pas habitué avec lui, ça prend un savoir initiatique. Mais quand il y a des lois qui descendent, qui allaient jusqu'à ce que la loi, pas jamais connaît qui est cité non plus. Mm-hmm. C'est ça qui rend un monde qui est expert dans vaudou, un vaudouologue tant qu'on humble, parce que ou toujours prêt à apprendre, ou pas jamais fin apprendre. Et au terme de échange moins avec nous, nous pas faire l'idée brasser l'idée ça boucanter la parole ça après la prendre moins bagarre elle après lancer des défis capable faire que mal fouiller un peu plus parce que c'est un mystère aussi profond que les océans hein, la spiritualité vaudou. Très bien, merci. Et prochaine question, un bon participant qui m'a dit est-ce que loi cache et chevaucher n'importe qui monde? Oui et non. Est-ce que loi cache chevaucher n'importe qui monde? Gain de façon qu'à comprendre la question. Est-ce que tout être humain chevauchable? M'a créé néologisme ça oui, dans le sens que ou gagne toute bagaille en ou pour faire de ou yon organon pour yon on l'autre énergie pour l'autre loi. Mais ça pas signifie que tout le monde a vive expérience dans chevauchement, pas nécessairement. Gain monde qui aller à plusieurs reprises dans cérémonie vaudou etc. puis loi pas jambe chevaucher ça pas signifie que yo rejeté par loi mais c'est parce que ça c'est important
loi descend dans le monde avec qui il y a affinité tout. Par exemple, trait de personnalité, moi-même j'ai fait aimer, a fait en sorte que tel type de loi plus propice à contacter que tel autre type de loi, par exemple. C'est souvent une question d'affinité, mais c'est aussi, pas oublier une exception aux lois, c'est aussi une question de lignage. Linéage, même j'en ai dit en français, parce que il y a une loi famille moins, il y a une loi zone moins, il y a une loi région, qui fait que nous gagnons plus en propension à attirer tel type de loi. Bon. Mais, et ça quand même dit oui, oui et non, est-il qu'a gagné un type de loi qui pas naturellement porté à chevaucher, mais que m'a attiré. C'est ça que nous les lois achetées, par exemple, parce que ou capable négocier, c'est le cas de le dire, le chevauchement d'une loi à la suite de rituels, à la suite d'invocations, à la suite d'un battement de main, à la suite de tel rythme, etc. Donc là, on dit, est-ce que tout le monde a chevauché par loi? Oui. Mais est-ce que tout le monde a chevauché par tout type de loi? Non. Et est-ce que tout le monde a vécu un chevauchement, une possession de l'esprit, un adorcisme? Pas nécessairement. Et c'est prouvé psychologiquement que sembler gain des personnalités qui plus propices à chevauchement qu'autre chose. Voilà. Eh bien, merci docteur Fizébé. Et pour faire suite à la question ça, un participant qui dit que ou parler de chevauchement en tant qu'un comportement, son comportement que lié, comment vous expliquez-vous que chevauchement li défie loi physique? On commence par la deuxième partie question. Comment nous expliquer que chevauchement a violé loi physique? Mais leur dit loi physique, de quel type de physique n'a pas parlé? Hein? Est-ce que c'est la physique classique que, par exemple, Einstein poussait très loin, ou bien est-ce que c'est la physique quantique? Moi-même, je lis en pile sous physique quantique, en pile, je remets ça. Quand ça fait je remets ça, c'est parce que toute la journée, je pour un lien entre physique quantique et le phénomène de la possession de l'esprit tel que nous connaissons dans le vaudou. L'homme dit que loi, c'est un comportement, mais ça m'a envie de dire. Yon moun ki gen yon loi au goût nan tête li, la bon comportement qui différent de yon moun ki gen yon simbi nan tête li. Yon moun ki gen yon simbi nan tête li, la bon comportement qui différent de yon moun ki chevauché par maîtresse Ezili Freda. Yon moun ki gen Ezili Freda nan tête li, la bon comportement qui différent de Ezili Danto. Est-ce que nous d'accord? Et là, même parmi Gedeo, yon moun ki gen Gede, comportement, li évident. Ou ap saisi ouais que yon moun zuzu, ki pa jam ka di, terme vulgaire, yon moun ki pa même ka mâché, voilà, ki mâché comme, enfin, à pas de tortue, li gen Gede, et puis li mette l'ap déhanché. Et puis l'ap di des mots crus, ou m'pa di mots sales, hein, m'pa gen mots sales. L'a dit des mots crus, l'a parlé désormais sans inhibition, sans les conventions sociales que nous connaissons. Eh bien, yon moun ki gen gede, l'a prend piment lavé, li lavé yeux, li lavé chouchouni, li lavé pénis, li puis wow, li pas éprouvé aucune douleur. Parce que ça yo, c'est des comportements qui associés à loi ça ou loi ça yo. C'est dans ça sens que yo dit, loi aussi c'est un comportement. Et il y a quelques lacou qui est reconnu pour tel démembré, qui est reconnu pour tel type de loi. Eh bien, puisque il y a tel lacou qui est reconnu déjà pour tel type de loi, dans le sens que on dit, naoum fon ça, c'est telle loi qui toujours descend là. Eh bien, il y a un comportement pré-acquis ou un comportement appris qui est déjà prédisposé à
manifester, à dire telle parole, à gagner tel geste, parce que c'est telle loi, ça, que Nathan qui vient. Mais attention, même si qu'a gagné des magogues en tout, qu'a gagné un charlatan en tout, ce n'est pas un jeu. Le chevauchement de l'esprit, c'est très sérieux. Badi, ça fait peur, non, mais c'est très sérieux. Voilà. Et docteur Fizé, mes prochaines questions, participant dit, pour qui ça évolue le plus souvent, les opérer la nuit? Il dit, c'est peut-être pour ça que religion est mal vue par un pile monde. Historiquement, les opérer la nuit, parce que le pape permettre, enfin le code noir interdit toute autre spiritualité que la spiritualité chrétienne, donc c'était pour échapper à la persécution, c'était pour échapper à la punition qui était terrible, hein, que code noir prévoit. Mais c'est pas vrai que cérémonie vaudou faite seulement le soir, mais non, des cérémonies vaudou qui déroulaient en plein jour. Bon, maintenant, sans besoin qu'on ait, c'est que il y a des rituels qui associent à tel type d'heure tout. Ou pas faire n'importe type de rituel, n'importe qui l'heure. Gain rituel, c'est à 6 heures du matin. Gain rituel, c'est à minuit. Gain rituel, c'est à 3 heures du matin. Gain rituel, c'est à 3 heures de l'après-midi. Gain rituel, c'est à 6 heures du soir. Gain rituel, c'est à 9 heures du soir. Parce que c'est pas, tu vois, gain des aspects dans vaudou, ça connerait les aspects ésotérique là, qui distingue de exotérique. Et encore une fois, le mot ésotérique, pas de faire nous peur, ce sont deux termes grecs. Exo, ex signifie ce qui est hors d'eux. L'on parle d'un aspect exotérique. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans la spiritualité vaudou qui est accessible à tout le monde. Ça veut dire que même les gens qui, au dehors, qu'à comprendre, exotérique. Mais une dimension plus interne et ésotérique, donc ésotérique, qui dérivait du grec eis, qui signifie ce qui est tourné vers l'intérieur, qui est même réservé à des initiés. Eh bien, moun ki, et c'est dans le sens ça que Odou, Vodou, c'est une spiritualité de type initiatique. Dans le sens que gen des savoirs, il faut initier pour gagner. Mais gagner des rituels qui mandaient que c'est à telle heure pour yo fait. Donc, ce n'est pas parce que vaudou a gon bagay a caché qui fait que il y a des cérémonies qui fait la nuit, même jour que y a des cérémonies vaudou qui fait deux jours. Il n'y a pas de honte. Il y a des manger-lois, qu'on gagne des fêtes qui fait en plein après-midi et puis tout le monde mange, tout le monde content. Pas nécessairement le soir. Voilà. Merci, docteur Fizébé. Et prochaine question à participant, Limandéo, est-ce que il y a un moment spécial qui c'est 1er de novembre pour yo communiquer avec Gédéo? Gédéa, et c'est ça que je dis, oui, Gédéa choisit le tour pour le vini. Et Gédé, c'est seule loi dans le Panthéon vaudou, c'est seule loi qui était yon jou, deux jou, trois jou, quatre jou, j'enlève les gens, gede konre ton semaine, parce que l'aimé nous, l'aimé joue avec nous, gede c'est l'esprit joie, c'est l'esprit fête, c'est comme un esprit timoun, pas dans le sens de immaturité, non, mais un esprit de légèreté, ok? Oui, mais gen de loi, gen de le koka évoqué yo, et l'heure pas rien à voir avec des heures nocturnes ou qu'a évoqué des guédés lors des heures diurnes pendant deux jours autant qu'on a évoqué guédéa dans des heures nocturnes parce que même Jean Zotoué il y a plusieurs types de guédés c'est pas un seul donc il y a plusieurs types de guédés et dépendamment de type de guédéa ou évoqué là des heures différentes et parfois pas même temps nous ou évoqué l'ivinitoui de pour commencer à jouer certaines musiques ou commencer la guéclair impimenté à terre là ou faire manger que le remet bien regardez ou faire vin velio bien la vie pour reconnaître pour me retourner dans question comportement dans cette voix nasillarde qui est comme une voix d'outre-tombe et puis dans articulation il est semblé articuler certains sons de manière
spécial, après on va pas reconnaître li dans langage li, dans vocabulaire et dans le déhanchement, encore que tout guédé pas nécessairement fait gouillade. Mais encore une fois, ou aime éviter tout vocabulaire qui gagne là dans le jugement, tant qu'un mot sale, tant qu'un non. Guédé, c'est l'esprit qui contre les conventions, c'est l'esprit qui contre les inhibitions et qui est pour la légèreté, qui prend la vie dans sa crudité. Si vous comprenez ça, eh bien, on n'a pas de problème avec guédé. Et faut, finalement, les guédés sont très aimables, dans le sens que ils n'ont pas accepté l'hypocrisie. Soit ils proposent, puis bon, passons l'autre, eh bien, la pavillon. Mais souvenez-vous, dans toute humilité, en disant tout le monde, c'est monde, mon cher, on n'a pas de problème avec guédé. Voilà. D'accord. Et prochaine question, c'est le participant Pierre Woster de la ville. Il dit que l'Italie aime qu'on ait une différence qui gagne avec loi vaudou, entre loi vaudou et l'armée céleste protestant, parce que l'Iwe que yo agi et habillé même gens et yo baye même nouvelle. Soit pensez de ça. Faut nous faire attention. C'est ça que fait sous bien songer au début de exposer. Maintenant, je te montre que déjà dans la Grèce antique, dans des religions à mystère, le monde chevauché par des esprits, ça serait les pneuma ou bien le daimon qui pourrait le bail démon par déformation en latin et plus tard en français. Incidemment, dans la Grèce antique, un démon, ce n'est pas un mauvais esprit, c'est un esprit. Qui a une personnalité, qui a fait bon bagaille, qui a fait bagaille que vous considérez comme moins bon. Voilà. Bon. Mm-hmm. Maintenant, le fait que dans l'armée céleste, il y a des gens qui ont un comportement qu'on a associé à vaudou, sinon que dans vaudou, on parle de loi, dans le christianisme, on parle de Saint-Esprit, on parle de Jésus, pas jamais nous faire nous assimiler les deux. La spiritualité vaudou, ce n'est pas la religion chrétienne, mais si c'était là-dessus, parce que c'est les deux. Maintenant, songez que vaudou sont culture de base, et comprennent bien. Étant donné que j'ai été colonisé, nous, j'ai été dressé, nous, pour nous tirer tête, nous, pour nous tirer tout ça qui pour nous, eh bien, généralement, comme pas dit tout le temps, ça me cause dire. Chaque haïtien ou est entré dans protestant, c'est par la peur. Pas bon affaire, vrai, non, c'est la peur. La peur d'aller en enfer, la peur des lois, la peur pour pas faire zombie, la peur pour pas manger, vous comprenez toute peur. Donc, ou rentrer, d'ailleurs, même la formule, même le vocabulaire, haïtien rentrer dans protestant. Haïtien ne devient pas protestant, il rentre dans protestant. Là, il cherche un refuge. Bon. Eh bien, le rentrer dans une nouvelle religion avec peur ou, et vous pensez que vous avez chassé culture de base ou, culture de base là joue au détour. Exemple, j'étais tout petit, jeune petit garçon, petit monde petit, j'étais peut-être bien 7-8 ans. Il y a une dame dans l'église au Cap qui a baptisé, hein? Dans l'église protestante de la première église baptiste du Cap, qui a baptisé dimanche. Pendant la rentrée dans la loi, puis loi raciale limontelle. Parce que loi qui a descendu au moment qu'elle choisit pour le descendre. Vous dites, écoutez, moi c'est où c'est moi. Bon. Ce qui fait que nous avons retrouvé les mêmes types de comportements que nous joignons, par exemple, dans la cérémonie vaudou. Nous avons retrouvé dans même nos cérémonies qui dirigées par des mon armée céleste, bagaille comme ça, qui dit que y a Saint-Esprit, puis l'homme garde ces mêmes comportements. Ça n'a pas fait de vaudou même bagaille que religion chrétienne. Mais il y a une façon d'expliquer, c'est que vous avez des énergies en vous qui en vous. ADN, moi, pouvez, moi, ces petits extraviles fils aimés. M pa ka change rien dans ça. Gede loi yo servi dans zone nan zone côté m sorti dans famille côté m sorti, m pa ka fè rien dans ça, c'est lignage là. Bon. Eh bien, moun nan tout ki vin nan armée céleste là qui dit bon il pa na fè vodou encore que l'associé à Satan hélas. Abi il pense il rentrer dans l'évangile, konn y a li gen Saint-Esprit.
eh bien, souvent, il reproduit les mêmes comportements que le fait dans Yora, qui sont des réflexes, qui sont des atavismes, pour ces mêmes comportements. Eh bien, moi-même, sociologiquement, c'est comme ça m'expliquer. Même pas Jean me dit que loi vaudouyo, c'est même bagaille avec Saint-Esprit que christianisme présentait nous, ou bien le rouard que le judaïsme présentait nous. Donc, faut nous éviter faire mélange ça yo. Faut nous éviter dans l'esprit nous à mettre ensemble pomme avec avec tomate sous prétexte que y a la même couleur rouge là. À la même chose, voilà. Ok, et merci docteur Fizébé. En parlant de mélange, gagnez yon et participant qui t'a remé gen plus clarification. Lidou parlant, l'on a parlé de vodou, tantôt dit religion, tantôt parlé de spiritualité. Qui sa vodou en yé? Est-ce que son religion ou bien yon spiritualité? Alors, c'est pas que vodou pas gen tout trait dont en religion, dans le sens que vodou gon, il gon certain nombre de d'entités que le considérer comme divine, li gon certain nombre de croyances que yon moun kap gade le l'extérieur ka considéré comme doctrine, li gen yon rituel li, li gen yon temple li. Donc du point de vue sociologique, vodou ka yon religion. Et Alfred Metro, qui est un premier monde qui produit une étude de grande valeur sur vaudou, d'où vaudou son religion, dans le même sens avec l'autre religion, dans le sens que, et le dit là, c'était pour éviter nous parler de vaudou tant qu'on ramassit de superstitions, tant qu'on vieux bagaille. Bon. Mais, il y a un monde qui a pratiqué vaudou, pas besoin de vaudou, c'est religion. Là, vaudou, c'est spiritualité. Vaudou, c'est traditions ancêtres li. Vaudou, c'est bagay qui permet li entrer en contact avec entité ou avec loi. En sorte que, moi-même, le premier, penser m'évoluer par rapport à ça. Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2003, ça fait déjà 17 ans, j'ai présenté vaudou objectivement en termes de religion. Mais penser m'évoluer, c'est pas que vaudou pas religion, non? Mais vaudou plus que religion. Vaudou, c'est une spiritualité. Vaudou, c'est un mode de vie. Vaudou, c'est une philosophie de la vie. Vaudou, pour me prendre un terme allemand, c'est une Weltanschauung. C'est une façon d'habiter le monde. C'est une façon de concevoir la vie en tant que continuum. C'est une façon de concevoir le monde comme un multivers plutôt que comme un univers. Et ça fait me dire, ah, ça a dépassé notion très romaine de religion, religare, c'est en spiritualité, parce que le terme spiritualité est plus englobant, est plus totalisant. On t'a parlé, tant que les sociologues, le vaudou, c'est une totalité sens. Donc, c'est pour un bagay qui... L'on parle de religion, ça signifie mal non temple, on fait ça, traite la mandé. Alors que, ou ka vaudou, sans qu'on par exemple mette pio dans un fort, parce que son façon de concevoir la vie, son façon de cultiver lien ou avec les quatre éléments fondamentaux, son façon d'entretenir rapport avec les disparus, etc. Donc, voilà. Et pas gagner contradiction entre les deux, même dit, le terme religion étant un terme très occidental, l'y coller mal à la diversité de la réalité vaudou. Voilà. Très bien. Merci pour la clarification. Et docteur Fizébé, prochaine question. Participant dit, d'après où, le yon moun gen loi, est-ce que c'est une prédisposition qui engendre un mouvement énergie, j'en t'ai parlé en dans moun nan, ou bien est-ce que gen effectivement une interaction avec yon entité? Oui, c'est les deux. Gen moun ki gen loi ki pat gen prédisposition du tout à ça. En 2009, il y avait un symposium international d'universitaires qui écrit sous culture haïtienne. Nous étions invités par le gouvernement de Jacques-Édouard Alexis. Moi-même, je faisais partie de la délégation canadienne
te gen moun tout kote ki soti, gen moun ki soti en Belgique, te gen moun ki soti en Suède, tout partout. Et nous étions peut-être une centaine parce que ça te correspond au 100e anniversaire de Jacques Roumain, qui même j'en connais, c'est le premier monde qui parle fondon bureau d'ethnologie en Haïti. Donc, pour nous honorer mémoire, li, auto-organiser ça. Donc, t'es invité comme représentant de l'Université de Montréal. Donc, Malé, il y avait un expert de la littérature haïtienne. Je suis expert de la littérature de Jacques Roumain. D'ailleurs, il a édité l'œuvre de Jacques Roumain. Je suis allé François Hoffmann. Monsieur, c'est en français, mais qui fait carrière aux États-Unis, qui est professeur de littérature haïtienne à l'Université de Columbia. Il est sûrement retraité maintenant. Bah, j'ai oublié ça. Il y a une activité qui était inscrite dans l'horaire nous pendant semaine, non? Parce que nous avons été pendant 2 semaines. C'était que Fondal assistait à une cérémonie vaudou au temple de Max Beauvoir, de feu Max Beauvoir à Mariani. Mon qui connaît pas au prince. Bon. Et dans la cou, ça, mon connaît que dans le temps Max Beauvoir, c'est Simbio. J'ai encore à la mémoire ce français qui vini, qui, tant que nous tous, a assisté un petit peu avec un regard d'expert, d'académicien à cérémonie. Ben, j'ai oublié ça. Eh bien, loyau prend monsieur. Donc, il n'y a pas de gain, puis il m'a regardé, à part couleur, li, qui t'a fait penser le haïtien, loi a chevauché monsieur tant qu'on bon Jean haïtien. Et après cérémonie, j'ai oublié ça, il dit que les pas jamais vivre une expérience aussi libératrice que ça. Comme si tôt dans le monde. Bon. Est-ce que François Hoffmann devine avec une prédisposition pour le chevaucher par loi? Je ne crois pas. Ça veut dire que chevauchement loi pas toujours expliqué par une prédisposition, même si y a une prédisposition tout qu'à expliquer y a chevauchement. Dédile loi chevaucher aussi moun qui gagne y a certaine affinité avec dans son étymologie. Lorsque n'a parlé d'affinité, on n'est pas loin de lignage, hein, on n'est pas loin de questions d'ADN. Et c'est ainsi que dans certaines familles, telle loi, plus propre à descendre dans tel lacou que dans tel autre lacou. Loi à tout qu'on développe une préférence pour tel timoun dans même famille. Yon famille qui a 4-5 timoun et puis yon 2 timoun, ça son timoun qui réclame. C'est pas li loi à passer. Oui, ka gon prédisposition. Mais qu'a gagné aussi yon étonnement, qu'a gagné une surprise. Bon. Et il faut comprendre psychologiquement, à force d'être chevauché par au goût, à force d'être chevauché par, bah connais moi-même maîtresse Zulie, m'vin acquérir yon prédisposition au chevauchement de goût, au chevauchement de maîtresse Zulie. Mm-hmm. Mais tout chevauchement pas expliqué par une prédisposition. Je suis prédisposé peut-être moins à ce que au goût descende dans tête moins, donc au goût descende. Donc au fait, les vins tant qu'on y ont théâtre, l'ethnodrame de Louis Mars, non, c'est pas toujours vrai. Voilà. Très bien, ok. Et merci. Prochaine question, et participant dit, est-ce que Gédéon Ligue doit faire au mal? Ligue 3 volets, question Ligue 3 partie. Et deuxièmement, Limando, est-ce que yo pratique vodou au Bénin? Nous pouvons que vous répondez à la question ça dans la présentation, mais on doit clarifier les participants. Et dernier volet la question, est-ce que vous faites une différence entre loi et esprit? Est-ce que Gédé ou n'importe qui loi a formal? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Un loi peut te punir. C'est pas oublié, loi, son esprit redoutable aussi, hein? Les plus forts passent, bon. Mais le capunion. L'histoire rapportait que des gens qui ont tenté de acter, qui ont tenté de
de prendre pause yo gen loi et puis yo fake. They are acting à loi kakalo la kakalo en majuscule hein. Oui. C'est pas seulement guédé, c'est n'importe qui loi. Gagner des espaces l'on a étudié en philosophie de la religion, gagner des espaces que l'on des espaces sacrés. Gagner un savant du nom de Mircea Eliade qui était un livre que je recommande de nous lire, le profane et le sacré. Il y en a que le siècle des Lumières fait nous, c'est que l'on a tellement désenchanté l'univers, on songeait Auguste Comte dit, maintenant nous avons la science, plus de métaphysique, plus de théologie, nous avons la science, le père du positivisme, que Yovine fait nous presque penser que toute bagaille nous apprenons comme ça. Non, on ne pas fait ça. Il y a des bagailles qui sacrées, hein? Il y a des espaces qui sacrés. Et il y a des bagailles qu'on doit aborder avec révérence. Bon. Et si on ne connaît pas que il y a des bagailles qui sont plus grandes, il y a des bagailles que recherche, moi, étude, moi, à commencer par mon doctorat sous vaudou fait pour moi, c'est que li apprend moins respectueux de ça m'pas comprendre, li apprend moins respectueux de ça m'pas connaît. M'ka pas comprendre ni même babla c'est menti. Regarde, je suis sur Zoom avec vous, j'ai reçu une invitation, j'ai cliqué sur un lien, mais je n'y comprends que dalle hein? Parce que m'pas informaticien. Bon. Voilà. Même Feli me conformer ma sa bagaille la dit non bal jouer dans l'autre bagaille pour me pas gâter ça. Eh bien il y a une bagaille spiritualité fait pour vous c'est que il y a une bagaille qui dépasse ou et ça fait le zan m'y a demandé vous d'où font faire bagaille qui entre en contradiction avec loi physique. Il me dit mais de qui physique quoi parler, est-ce qu'on parle de physique classique ou bien est-ce qu'on parle de physique quantique. Il me trouvait que le vaudou est très enfin la physique quantique c'est un beau laboratoire des réalités du vaudou. Qu'a parlé de être et de non-être, qu'a parlé de hyper-espace, qu'a parlé de matière sombre, qu'a dit nous passer de matérialité à immatérialité constamment en tant qu'espèce vivante. Waouh! Qui parle d'ubiguïté, qui parle de voyage hors du corps, qui parle de voyage astral. Mais ça, c'est des notions auquel nous habitués dans le vaudou. Donc, est-ce que me comprendre tout? Non. Et ça va mettre moins respectueux. Très respectueux de ça me pas connaît, de ça me pas comprendre. Donc oui, soit prend ça avec loi, oui, apkalo, et apkalo en majuscule. Ah oui. Ah oui, en merci. Majuscule. Avec grand K. Voilà. Bon à savoir. Oui, oui. Et, prochaine question, docteur Fizébé. Nan commencement conférence tan participant di ou te di loi ak vodou se menm bagay yo pa sinonim pourtant ou met pale ou met pale pourtant nan pil lot forum gen moun ki fè référence à vodou comme une religion même jan tout lot religion. Est-ce que ou ta capable aider le réconcilier deux positions sa yo? Oui, merci. Alors l'homme t'a dit que vodou avec loi logiquement yo croisé, même j'en connais, il n'y a pas de synonyme parfait dans aucune langue. Si tu as un synonyme parfait dans quelque langue que ce soit, bon mot qui t'a disparaître au profit de l'autre, c'est parce que chaque mot poté yon saisie différente du réel qui permet qu'on ka utilise le dans tel contexte plutôt qu'un autre. Donc effectivement, dans le fond, yon nan dialecte que yon te kon parle, que yon parle toujours au Bénin, le mot vodoun et le mot loi gagnaient entre autres pour acception esprit. Bon. Maintenant, que si au forum, vous parlez de religion, vous parlez de vodou en termes de religion, c'est correct. C'est, ce n'est pas que ce ne soit pas vrai. Au contraire, me rappelons que Alfred Metro démontrait que vaudou son religion qui pas grand rien à envier à aucune autre religion. Et moi même dans ma thèse de doctorat qui publie d'ailleurs hein, sur le site de l'Université de Montréal montrer que vaudou aussi qu'a revendiqué le concept de religion. Mais ça pour nous faire attention c'est que c'est lorsque nous prenons concept étranger
tant que religion, qui sont concepts romains, nous coller sous un réel africain. L'Ika dit bon bagay sou li, mais il pas fin. Il pas fin. C'est quoi pour yon objet sous forme triangle ou faire rentrer dans le cercle là? L'Ika rentre dans le cercle là. Mais il y a des espaces dans le cercle là que l'on pas comblé. Parce que yon triangle, pas yon cercle. Bon. Je pense que même si vodou c'est religion tout, vodou plus que religion. Vodou c'est une façon d'habiter le monde. Vodou c'est une façon de voir la vie. Vodou c'est une philosophie de la vie. Vodou c'est une spiritualité. Vodou, pour prendre un terme allemand, son Weltanschauung, son vision du monde qui induit un comportement, une façon d'être. Vodou son rapport avec les ancêtres. Qui même si on mourit, je pèse mes mots, toujours là, toujours existé. Mais ça, c'est plus que religion. Mais encore une fois, c'est un débat sémantique qui peut être ennuyeux. Nous tant que des monde qui a demandé tête nous combien loi qu'a dansé sous tête en aiguille. Donc soit intéressé à débat sémantique, oui peut-être, mais conviction, moi, c'est que vaudou, c'est religion tout, mais vaudou plus que religion. Voilà. Très bien. Et merci, docteur Fizemi. Question, vous avez tombé en pile. Nous, quand on prend une pause 5 minutes, même pas qu'on a bien temps pour aujourd'hui, hein, parce que vous avez en pile question pour répondre toujours. Oui. Et prochaine question, un participant dit, est-ce que l'autre culture, vous avez une loi tout? Ah, oui, bien sûr. Il y aurait les autres gens. Mm-hmm. On commençait par... Et par exemple, nous tout parlons français. Est-ce que nous connaissons le haut monde enthousiaste qui ça le veut dire? Nous connaissons côté ça sorti. Le haut monde enthousiaste. Enthousiaste dérivé de deux mots grecs, hein. En qui signifie dans et le enthousiasme, il y a théos là-dedans. Le haut dit yon mon enthousiaste, ça veut dire son monde qui habité par un esprit divin. De même, là, dans mon énergique, ou quand on a envie de dire, cette personne-là est énergique, ou veut dire qu'il y a un esprit dans lui. Voilà. Donc, toute culture, j'ai une façon pour traduire le fait que la vie n'est pas réduite à corps et que il y a d'autres entités avec qui nous sommes en contact. Et bien sûr, ce n'est pas seulement culture africaine, sont intéressés à question ça ou capable à le fouiller sur les religions à mystère grecques et après que les religions à mystère que le christianisme recopie à bien des égards les plagier bon après que les religions à mystère grecques c'est qu'on a des monde qui tombait l'esprit et puis leur gain l'esprit pneuma ou bien daimon qui baille démon yo gain des comportements qui comparables voire assimilable à sa noue jodia dans vodou. Moun nan parle des langues étrangères, moun nan ka opéré des miracles, moun nan vin gon don de voyance, moun nan ka gen un comportement extatique, c'est-à-dire un comportement qui semblait pas ordinaire, sou ap gade moun nan dans l'autre moment, etc. Mm-hmm. Ah, mais voilà, hein, l'autre culture, yo tout, yo vive ça. Mais, exemple, même dans la religion islamique, il y a un courant mystique qui aurait le soufisme. Et dans le soufisme, mon qui a habité par certaines entités, qui fait le gain des comportements, qui souvent se sont vaudouisants, et bien, on va dire, mon cher, mon n'a rien loi. Après. Mm-hmm. Mm-hmm. Très bien. Et prochaine question, docteur Fizemi. Et participant dit pour qui ça en Haïti, il n'y a pas jamais reconnaître que vodou c'est une religion officielle, malgré que nous reconnaître que l'ité aidé esclavio pour libération. Yo. Et il dit que son bagage qui caché, vodou son bagage qui caché que lié en Haïti. C'est pas vrai. Ça a changé. Mm-hmm. D'abord, ça a changé déjà sous Duvalier, qui Duvalier c'était un gros vaudouisant. Duvalier, c'est un membre des sociétés secrètes. Il y avait au Palais National et
lors de mon émission du 18 novembre, je parlerai de ça. Au Palais national, tu as un bureau d'échange officiel pour les diverses sociétés secrètes vaudouesques qui ont passé par le Palais national. Donc, pas de gars fait caché. Bon. Mais depuis le 4 avril 2003, nous apprendre ça, avril 2003, le président Aristide, le président en exercice d'alors, te prend un décret par lequel, alors un décret par loi, comme je le connais dans le système, dans notre système parlementaire, mais il te prend un décret en avril 2003 par lequel Vaudou élevé au rang de n'importe l'autre culte, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle en Haïti. En Haïti, en sorte que yon vaudouisan, yon mambo, ou bien yon ongan, ka fè baptême. Bon, si baptême, son terme chrétien, li kapab fè funérailles, même si funérailles, son terme judéo-chrétienne, donc après les traversées. Non, c'est pas vrai. Depuis avril 2003, et pas de gros contre-décret, on n'a pas rappelé ce décret-là. Ce décret, en avril 2003, fait de Vaudou yon culte du même rang que les autres cultes. Évidemment, Vaudou a mérité plus, puisqu'il était là depuis libération, etc. Ça a été fait tard, mais il était commencé depuis Duvalier. Et quel que soit son cas dit avec raison de Duvalier, Duvalier c'était un dictateur, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais Duvalier paté gain le complexe d'infériorité qu'on l'esco. On est tant qu'on l'esco, on est tant qu'on Vincent. T'es gagné, par exemple, le complexe t'es porté à imiter les blancs, ça nous relève le mimétisme qui t'est fait au singe blanc. Duvalier pas de con ça. Duvalier, okay. C'est sorti à barrer un nègre vertical et qui t'a assumé sa négritude et qui a assumé Vaudou. Voilà, et Aristide a fait mieux dans le sens qu'il a officialisé. Duvalier pas de cas fait ça pour une raison simple, parce que Duvalier a négocié le renouvellement du concordat avec Vatican. Et Aristide pas dans le contexte à lui-même, qui fait qu'en avril 2003, Aristide a émis un décret qui fait de Vaudou un culte avec le même rang, enfin au même rang et le même statut que les diverses versions du christianisme, ça veut dire catholique, protestant, anglican, bagaille comme ça. Très bien. Voilà. Et merci docteur Fizeme, il est en fait 7h43, nous était même 20 questions et qui posaient toujours. N'a mande aussi ou te ka ale un petit jan pi rapide écouter réponse pour nous pour nous si tout te participants ont une réponse à la question aussi possible. Et prochaine question, un participant dit li connaît gen de moun ki gen yon cabrit, yon bouc cabrit y a fait grandir longtemps pour loi vodou. Mais si pas mal et bouc cabrit lan ta mouri et puis loi arrivé yon mam nan fami moun nan ka pase nan plas bouk kabrit lan. So di de mister sa. A blague, ba vri. A sa ou se nan tèt moun liye. Un esprit ne mange pas. Soyons sérieux. Dans la mythologie vaudou, généralement, pas toujours non, loyo c'était des humains qui te vivent sous terre et puis qu'on y a qui vine élevé au rang dans cette méritant que nous les lois. Bon. C'est ainsi que si mon intérêt est clairin de son vivant sur terre, l'elvin traversé, il y a encore intérêt sa clairin. Donc, honorer comme ça. C'est pas pour rien que grand-mère, moi, par exemple, si mal sous tombeau, le grand-mère me dirait, mais café en pile, son droit glité pour lui, quasiment. Donc, si je suis d'Haïti, je dis, et que je vais et à honorer grand-mère moi ta bien t'a vidé un café sous ton boule, tandis que papa me t'ai remet homme papa me t'ai
te remen wom. Donc si m d'Haïti et que d'après l'honorer papa, m d'après verser deux trois gouttes rhum sous tombeau papa, mais c'est pas que papa m'a boué li. Bon. Mais loi tout, loi c'est esprit, il pas manger cabrit là. Souvent qui ça mon yo fait, yo prend propre peur, yo songe que nous rentrer avec peur, nous rentrer avec complexe, nous rentrer avec préjugé, nous rentrer avec appréhension, nous dans tout ça n'a fait. OK. Mon rentré dans service loi avec crainte que s'il pas bail loi cabrit ton ti mon n'a mouri. Blague lié, faut pas c'est autre chose qu'il a. Que je ne veux pas nécessairement aborder, à moins qu'on me pose une question sur lui, question sur sorcellerie, etc. Mais, ou ka gen gede ou pa gen kabrit, il n'y aura pas de kabrit, voyons donc. Gede, c'est un fait pour faire. Son fait familial, son fait communautaire, dans laquelle on va honorer gede ça, qui gen le remè en sort, qui remè clair et piment, qui remè kabrit, qui remè cochon, qui remè bœuf. Mais si m'gagnel m'baili, si m'bagagnel m'baili, il n'y a pas, ça c'est important, en sociologie, yo dit dans le vaudou, il n'y a pas le phénomène du do ut des. Songez, nous fait-il latin, do je donne, ut c'est afin que tu donnes. Non, mais non. Non. Il n'y a pas de, ça c'est important. Vaudou pas a fait sacrifice, a fait holocauste, non. Son fait cap fait, puisque nous dit loi à manger, li loi son humain itéyé qu'on y a le rendu à un rang supérieur, li toujours là, n'a fait avec lui. Eh bien, s'il te remet cigarette, s'il te remet rhum, eh bien si ma faut fête à son honneur, c'est normal que me servi rhum. OK? Bon, ben m'expliquer ça. M'excusez-moi si me prend petit temps long. Je dis à de plus en plus long moun mouri ou dou bay moun nan yon enterrement qui a l'image li. Le maman mouri, entièrement l'a chanté l'église, parce que c'est dans ça le coué. M'a ballon funérail qui a mon image, m'a ballon funérail qui a son image, parce que c'est lui m'a honoré. OK. Maintenant, gede yo tout, ou e gena yo ki gen non moun, yon gede krele Jean Simon, Brutus, donc tu vois, eh bien, gede a, il y a un bagaille qui de son vivant sur tel terrain, mais bien, ben, il y a loi, il y a énergie qui est attirée par tel odeur. C'est ainsi, par exemple, que la loi, c'est Florida pour servir avec lui. Mais ce n'est pas que si on parle de Florida, mes amis, il m'a parlé, ouf, il faut mal vendre quand même pour me dire Florida. Non. Parfois, il y a des ou gang ou des membres mal intentionnés qui expliquent ça mal, mais c'est pas vrai que si m'bagé cabrit là pour m'bagé déa petit à m'a mouri. Il peut arriver que on le m'bagé déa cabrit on ti monde mouri, mais c'est pas un rapport de cause à effet, voilà. Je tenais à préciser ça. Son fait. Mais c'est pas un holocauste si m'baba li et puis loi pas bon satisfaction. Okay. Voilà. Mm-hmm. Merci et docteur Fizeme. En prochaine question, un participant m'a dit ça qui pour ça a fait études et approfondi sur vaudou. Est-ce que vous pratiquez vaudou? Me raconter ça, oui. En fait, le maître au doctorat, j'étais d'abord au doctorat en philosophie. D'après le fait doctorat sur Heidegger en philosophie. Et puis on l'a en tant que pasteur. Mission l'église moins voyez moins accompagné un anglais du nom de Colin Butcher qui lui-même t'a fait des œuvres de philanthropie à Haïti. Bon. Mais j'ai oublié ça, c'était pendant l'époque du coup d'état de Cédras contre Aristide. Bon. Et puis nous croiser moi-même sorti de Montréal jusqu'à Floride. Li même li saute en Europe jusqu'à Floride nous croiser là et puis nous fait connaissance qui ça m'a fait dans la vie qui ça l'a fait dans la vie et puis il me dit bon moi même m'a fait doctorat moi sur Heidegger puis monsieur gardé m'a avec une espèce de condescendance il dit nous même noir nous toujours fait recherche ton sous bagarre qui concerne l'autre monde pour qui ça nous pas fait bagarre qui résoudre propre problème nous on prend ça comme un gifle.
Et puis, il me dit, bon, je vais changer de thèse doctorat. Et là, ça a une escale de 4 heures. Entre le moment où je suis avant le prochain vol, là, dans la période de ça, le monde n'a pas besoin d'un aéroport 3 heures de temps ou 6 heures de temps, tant qu'aujourd'hui. Donc, je me prends un yellow cab, je vais dans la librairie Mapu, qui est dans Little Haiti, et puis m'acheter tout livre qui était concernant faire vaudou. Yon yo, c'était le vaudou haïtien d'Alfred Metro. Yon l'autre, c'était Dieu dans le vaudou haïtien de Laïnek Urbon, ses thèses de doctorat. Li. Puis bon, en lisant ces livres-là, je me dis, bon, ça va être l'objet de ma thèse de doctorat, le vaudou. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Et depuis, c'est passion, moi. Hein? Toujours gon bagay. De nos jours, ma travail sur rapprochement gagné entre la mystique vaudou et la physique quantique. C'est passionnant. C'est passionnant. Donc, voilà. Et prochaine question, Dr. Fizeme. Participant dit que est-ce que vous pensez que le programme éducatif en Haïti supposé éduquer jeunesse sous question vaudou? Ah, il n'y a pas de doute, là. Poser la question et y répondre. Mm-hmm. D'ailleurs, Jodia, je crois que c'est au Nigeria et au Bénin, il y a des écoles qui intègrent ça. Parce qu'il y a une pharmaceutique profonde dans vaudou. Mon ami, moi, qui c'est expert en affaires plantes comme ça, lui dit, moi, que Jean, du point de vue de la faune, du point de vue de la flore, Haïti, c'est le pays le plus béni des dieux. Et là, son connaisseur qui a parlé, il dit, mais je n'ai pas de malade ou aujourd'hui à Captoupizi Moun que pas de plante Haïti qui a guéri. Mais ce savoir-là, si nous codifions, hein, en épistémologie, il faut nous codifier un savoir, si nous codifions et que nous enseignons, mais c'est pour le bien du pays. Qualité gagot n'a prend remède et puis qui gagne side effect, qui gagne effet secondaire bah chimique n'a prend yo. Eh bien, nous avons en Haïti plein de choses. Bon partage un exemple. Mon bon ami moi, bon ami. Septuagénaire qui était font prostate très avancé, très avancé. Là le docteur Yon nan l'hôpital qui pi avancé au Canada n'a fait problème prostate, c'est l'hôpital juif de Montréal. Puis, après un certain temps de guerre lasse, le médecin traitant, ah mon cher, entendez dire que gon fruit en Haïti, souprani suffisamment de temps pendant 6 mois comme ça, mon cher, il a résolu le problème prostate là. Yon blanc, oui, yon juif qui a dit en mime dans sa haïtien. Mais son que Joule t'est compté. Monsieur à l'Haïti, vrai, monsieur fait 6 mois de ça. Monsieur dit, moi, il est encore en vie, hein, que les bois jusqu'au sol, chaque jour, il boit tite au sol. Il connaît 6 mois plus tard, il retournait. M'a cité Mouna. Il retournait, docteur, qui t'est voué l'Haïti a, dans l'hôpital juif là, dit, il n'y a pas de trace tumeur là encore. Bon, est-ce que c'est une simple coïncidence? Peut-être. Mais c'est une drôle de coïncidence quand même, Yanda va dire. Donc, tu vois, de tel savoir, si nous codifions et que nous enseignons à l'école, pour un pays qui n'a pas même gagné un médecin pour 15 000 habitants, c'est terrible, c'est ça la statistique. Eh bien, si nous enseignons cette pharmaceutique, cette pharmacopée vaudou, ben, tout le monde y gagne. Mais en plus, et c'est sous ça m'appelait tout en vue d'une prochaine émission, gagner des savoirs que en cette nous avons sorti avec yo en Afrique, qui constituent aujourd'hui les savoirs des sociétés secrètes. Il y en a qui exotériques, il y en a qui ésotériques, mais c'est des savoirs qui mériteraient d'être enseignés dans certains types d'écoles. Gagner certains instruments, le tambour, par exemple. Je dis, j'ai échangé avec un ancien camarade de classe qui sont grands experts du tambour.
Eh bien, monsieur, rappelez-nous que tambour là, c'est pas juste un instrument, c'était aussi un code de communication. C'était aussi une thérapie. L'esclave là, fin passer semaine non, ou bien journée à travailler. Et puis là, le caché dans mi tambour pour renouveler énergie li, c'est au rythme de tambour là que le danser. Mais tout ça, c'est des savoirs qui si l'école chrétienne yo, l'école congréganiste yo, pas de faire nous raille tête nous, pas de faire nous cracher sous mon nouyer, nous ta suppose enseigner yo. Et c'est ça qui fait que depuis me j'ai une invitation en tant que panouan éducation Haïti éducation pardon pour tenter de désintoxiquer l'esprit nous avec vieux bagaille que blanté maintenant tête nous a fait l'école, on profiter de lui. Le vaudou, pour moi, reprendre l'expression Joseph Augustin, il est libérateur. Et pour moi, le vaudou doit être une fierté et non une honte. Et si avant de mourir, comme on pouvait dire ça de moi, je suis trop content. Voilà. Très bien, merci. Et prochaine question, participant Mandé, qui ça qui fait ou décider que pétition pas qu'à tourner en loi? Parce que Pétion, c'est un salaud, c'est un traître, c'est un clerc. Yon loi, c'est yon, son ancêtre méritant. En dehors de toute politique aérie, Pétion, c'est un traître. Même Jean Boyer, son traître. Mm-hmm. Mais il faut dire les vraies choses. Il faut nous suspendre, faire histoire masturbatrice, côté que tout le monde, c'est bon monde. Pétion, c'est un salaud. Quand tu compares le brigandage de Pétion dans l'Ouest au royaume de Christophe dans le nord, où est Pétion son vagabond. Pétion son nègre qui était tout simplement pas jamais pardonné tête li que papa li. Pas toué dans li en vrai timon parce que Paul était trop foncé pour papa, puis qui gien complexe ça, puis qui tout ça qui rappelait le noir, tout ça qui rappelait le haïtien, il envie gourmet contre lui, il envie chose. Non, Pétion pas qu'à loi. Parce que loi son ancêtre méritant. Pétion c'est un salaud, c'est un traître. Voilà. C'est ça. Et prochaine question, participant dit, est-ce que sous Égrégore Vaudouin, pour doit-on être sous l'Égrégore du Vaudou pour être en contact avec des lois, pour être chevauché par des lois? Me répondre à ça déjà. Yeah. Le français François Hoffmann, d'abord il parle. C'est ça, d'accord. Et puis il était chevauché, bien sûr. Il y a des Américains qui comprennent la loi. Tout en exemple, hein? Bon, je dis ça parce que c'est historiquement vrai, parce que Hillary Clinton en parle dans ses mémoires. Bill avec Hillary, ce sont des initiés vaudous. Hein? Bill Clinton sont un gars à Sogoué qui recevoit initiation dans même Max Beauvoir. Et pourtant, c'est des Américains, donc ou pas. Nécessairement. Alors, on parlait de ça parce que Hillary Clinton lui-même parlait de ça dans la chose. Mm. Mm-hmm. L'Oyopaté de l'élection 2016. Ça, c'est même à la blague, on te répond. Loi, pas craser l'histoire. C'est ça, c'est intéressant. Si je ne pas étudier, je ne vais pas passer l'examen demain et puis je me dis que je étudier, loi après le faire 100%, c'est blague liée. Mm-hmm. Les lois, donc dans la théologie vaudou, mais comment on dit ça? Surnature avec la nature, ils ont compénétré, mais surnature était surnature et la nature était la nature. Yon moun son moun, c'est pas yon on loi li, on loi son loi, li pas tout ne moun. Donc, c'est pas parce que m'a servi loi que si mal dans l'élection sénatoriale, m'a gagné forcément, mais non, gen l'autre principe que loi tout respecter. Hein? Voilà. C'est ça. Et prochaine question, docteur Fizeme. Participant dit, moi toujours tendé que Baron c'est premier des morts et c'est mettre toute loi guédé. Est-ce que ou ka dit nous si c'est vrai? Le terme Baron cimetière, Baron la croix, son terme générique qui dans le panthéon vaudou référé à premier monde que ont enterré dans tel cimetière. Et puisque ces premiers moun yo enterré dans tel cimetière, donc vous connaissez dans vaudou nous respecter seniorité
Donc n'importe bagaille qui a pral fait dans cimetière ça, faut aller devant tombeau baron, ou est son titre de noblesse d'ailleurs. Faut aller devant baron cimetière pour que le bon permission pour faire. Au fait, comparaison n'est pas raison, un baron cimetière c'est l'équivalent de l'éba. Même Jean l'éba, c'est lui qui bon accès au monde invisible, c'est lui pour qui ouvre barrière. Eh bien, yon baron dans le cimetière, c'est lui-même, l'on après le fond cérémonie quelconque dans le cimetière. Il connaît que le vaudouisant, il n'y a pas peur de la mort. La mort, c'est un phénomène qui est important. Il égalise nous, il nivele nous, il met nous sous le même plan. Eh bien, grand pile cérémonie qui fait dans le cimetière, parce que nous avons un rapport avec l'ancêtre, nous honorons, parce que société secrète là, tout, quand il y a des cérémonies, c'est là le fait. Eh bien, ou bien a fait lever mort tout, eh bien, c'est baron pour qui bon permission, parce que esprit est toujours là, tu vois. Okay. Il est toujours là, donc il faut que ou à le côté pour le bon permission. Donc le baron, son terme générique, il est référé à premier monde qui est enterré dans un cimetière. Très bien, merci pour la clarification. Prochaine question, hein? Participant dit espérance sur chrétien, c'est pour lui joindre créateur li après la mort. Qui espérance sur vaudouisant après la mort, à part que l'aller bénin en Afrique? Le vaudouisant dit li retourner dans l'Afrique Guinée, c'est une métaphore. Ça veut dire que le retourner à la source. Même Jean le chrétien dit espérance, li, c'est pour aller joindre bon Dieu dans le ciel. Il n'est pas référé à un endroit physique. C'est tellement vrai que dans la Bible, que je connais bien, Abraham crédit ça, Paul dit que nous sommes déjà assis dans le lieu céleste avec Christ. Donc, si c'est ton lieu physique, on n'aurait plus rien d'autre à espérer, puisque selon Paul, nous sommes déjà assis, c'est ça le dit dans Éphésiens, dans le lieu céleste avec Christ. Donc, le chrétien dit espérance, li, c'est tourner le joint créateur. Li. Je pense qu'il dit là pour retourner à l'énergie première qui c'est ça que nous toutes c'est ça que réserve à nous toutes oui mettre là quel est la monde qui mourir là pour retourner à l'énergie première après un certain type de pèlerinage donc voilà et tant mieux pour monsieur c'est là pour Jésus hein, oui. Et prochaine question et docteur Fizeme et participant du merci pour exposer hein, il apprend en pile. Question que li gagne là où moun al prend point pour li capable vin riche, est-ce que ça gagne rapport avec loi? Qui rapport qui gagne avec prend point ensemble avec loi? Ou bien bon. Est-ce que gagne rapport avec deux bagages ça? D'abord, ça pas une blague, son bagage qui existait vrai. Donc, ouais, moi-même, m'a gagne tabou. Y'en a eu qui fait m'aborder vaudou comme chercheur, c'est parce que, aussi Nité dit au début, c'est parce que m'pense que autant que faire se peut, tout ça qui est possible pour m'acquérir comme connaissance, dans ça, m'a cherché. Bon. Ça, au besoin qu'on ait, ça c'est important. Loyaux gagne des personnalités. Esprit gagne des personnalités. Et on gagne des juridictions. Il y a esprit responsable agriculture, il y a loi responsable tel bagage. Il y a des esprits qui, ça fait l'argent, ils réglé. C'est des esprits qui fonctionnaient en coup des gens d'affaires. Hein? Eh bien, m'a partagé un exemple avec vous. Mon bon ami, mon crédible, tant qu'on n'a qu'à parler là avec Rossini. Ça veut dire si Rossini dit mon bagaille, m'a pas mettre en doute. De même si me dit mon bagaille, il pas mettre en doute. Il y a un ami moi qui expert dans bagaille ça, qui ont leur des deux Français qui viennent consulter lui dans cabinet parce que je suis expert de bagay sa yo, bagay société secrète, connaissance sa yo. Et puis deux moun sa yo te vini avec pour intention de gonkob. Et puis il menait deux blancs sa yo à rencontrer agent, écoutez-moi là, agent esprit sa, qui lui-même, c'est l'agent le bay moun sous certaines conditions. L'homme survivé chez l'agent de cet esprit-là, il est l'esprit esprit à da Santo Domingo m'a pris gros l'autre business esprit ah oui m'a privé dans 15 minutes 15 minutes plus tard vraiment donc à penser c'est fab songez que me dit on n'a bagaille
spiritualité fait pour moi, li apprend moi respectueux devant tout ça me pas comprendre. 15 minutes plus tard, vrai, autant d'un gros bruit, tant qu'on espèce de gros avion militaire qui a atterri. Bon zone fort là, monsieur ça. Puis il dit bon pas virer non, hein, c'est mes chefs l'arrivée. Et puis pop 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 pop, autant d'un bruit de pied dans une grosse espèce de commandant. Puis pap, il dit bon, et tel ça qui passé. OK, bon. Moi j'ai moi petit toi t'as tel problème là, mais pas rien, non, c'est pas grave. Non, on va pas le guérir, tel bagage. Mon cher, mon tel bagage, tel bagage. Bon, OK, bon. Ou moi mène deux monde là pour moi. Qui ça le besoin? Le besoin tel bagage. OK, bon, très bien. Sous qui condition la prendre? Tel j'ai dit OK, d'accord. Demain, il va besoin faire la besoin comme là. La même raconté, il était venu pour tel montant comme demain va mander le comment comme là déposer. Devant Kaili. Bon. Ça, c'est des savoirs. Ça que Blanc Occidental l'a fait, nous, le c'est savoir pas nous, il me dit, ah, c'est vieux bagaille, il n'est pas bon. Si c'est lui qui a une façon pour entrer en contact avec d'autres entités qui a fait riche comme ça, il t'a bien tant bien passé, et puis c'est nous qui t'as imbécile. Donc, effectivement, ça existe vrai. Mais, c'est important que je le dise. Ça, pas lié au vaudou. Un vaudouisant normalement pas gain accès à esprit ça qui négocie à faire l'argent. OK? Ça sont l'autre expertise lié, sont l'autre bagaille. Les amis m'en dit, il dit Jean ou esprit l'argent ça yo fonctionner tant qu'au mafia. Li prêto un cob, li prêto li avec intérêt, li négocier condition avec ou ou à respecter conditions. Si vous pas respecter conditions, ben on va mourir pour aller travailler pour lui. ça existe. Ça existe. Donc, on va devoir l'impression, c'est une question de crédibilité aussi. On va devoir l'impression que bagaille ça ou pas existé. Oui, à fait point l'argent existe, vrai, mais il n'est pas lié, ça c'est important, il n'est pas lié essentiellement à affaire vaudou. Très bien. D'accord. Merci pour précision. Prochaine question. Un participant dit que à son jouer un rôle important dans la cérémonie vaudou. Qui danger qui existait le monde pas initié à faire échange à son dans une cérémonie? Non, mais question en tout respect, li reposer sur incompréhension. Échange à son, c'est lui-même, oui, qui en a étape initiation. Si bien que l'homme recevoit initiation dans vaudou, ou un tel prend à son. Maintenant, on a toute bagaille dans la vie, toute bagaille doit être faite par étapes. Pour nous arriver à lire un gros livre, 400 pages aujourd'hui, à 300 pages, comment ça a commencé? Nous tous, nous avons commencé par apprendre l'alphabet. Nous avons appris l'alphabet, notre timalis. Après ça, l'année suivante, nous avons un petit livre, les méthodes de lecture. C'est pas vrai? Et puis, tranquillement comme ça, ou vient arriver lire n'importe qui livre. Eh bien, c'est la même chose. Ou doit prendre tout bagaille étape par étape. Et puis, ou doit assurer que moun kap montre ou étape là tout, que li de bonne foi, que le kon sa la fait, que le kon sa la dia, et que c'est pas un charlatan li. C'est ça m'dava dit. Donc, effectivement, pas à entrer dans bagaille que ou pas comprendre, et pas quitter n'importe moun rentre dans n'importe bagay que l'île pas fin comprendre tout, surtout si moun nan mal intentionné. N'a pas dit le comme ça. Voilà. Ok, merci. Prochaine question. Combien de temps encore on a passé? J'ai l'impression, on a pris 10 minutes. Si vous êtes arrivé bien vite, c'est que vous élaborez en pile, qui est très bon. Nous apprendre, vous élaborez sur les réponses. Sous tes cafés, on tire casse-pique-coute parce que nous avons fait un compromis, les 8h10, on dit 8h20 et puis nous clore. Voilà. Très bien, très bien. D'accord. Voilà. Ok, mais on va répondre au pique-coute pour nous, pour nous faire un peu. Et prochaine question. Un participant dit que la cérémonie a commencé depuis 1er novembre jusqu'à mois février. Qui ça oui? Est-ce que c'est cérémonie vaudou ou bien guédé? C'est parce que il y a un calendrier mystique dans vaudou qui commence en année en novembre. Le calendrier mystique vaudou fait que l'année a commencé début novembre et l'année a commencé avec fête guédé. Ça fait que nous
yo célébré Guédé yo depuis 1er novembre, mais gen l'autre tradition qui dit au fait Guédé yo commencé célébrer depuis septembre tout. Donc tu vois, donc c'est parce que son gène de Guédé son esprit qui omniprésent. Guédé a toujours là, il est omniscient, bon, omniscient. Il connaît pile bagaille, il a une vaste connaissance. Donc yo célébré, on nous dit comme ça, yo célébré le bloc septembre jusqu'à février. OK. On nous dit dépendamment de calendrier. De calendrier. OK, très bien. Et prochaine question, hein, et pour qui ça utiliser image catholique dans vodou? C'est ça nous les Grégoire. Yo dit que en matière mystique, en matière de spiritualité, esprit nous tellement ondoyant et changeant que parfois on a besoin fixer son objet pour obtenir un résultat. Bon. Okay. Il y a dans ce doublage, dans cette doublure de l'égrégore chrétien par les croyances vaudou, y a une tactique de nos ancêtres de tromper la vigilance des maîtres. Puisque ils ne peuvent pas permettre nous pratiquer propre spiritualité par nous, mais que c'était religion païo pour nous pratiquer, eh bien, nos ancêtres se sont servis de images païo pour évoquer réalité païo. Bon. En sorte que, il y a un pile vaudouisant aujourd'hui qui ne veulent pas servir de bagages ça, parce qu'on dit, syncrétisme, c'est ton tactique colonialité. Mais maintenant que nous ne sommes plus persécutés à cause de foi, nous n'avons pas besoin de servir de vieux images ça. Il y a un courant très fort là-dedans. Dans vos doux qui opposaient à ça. OK. Et mon participant qui m'a dit, qui côté, pourquoi répondre à la question ça déjà, qui côté vaudou en sorti? Ah, m'a quitté Nadège, répondre, mon natoune, regardez la vidéo, après, donc, on nous gagne. Bien sûr. Okay. Mais historiquement, vaudou sorti dans le royaume du Dahomey, le Bénin actuel. Mais vaudou, son terme générique, que blanc, t'es regrouper la donne toute spiritualité en cet africain nous donc par vaudou nous entendons plusieurs choses hein? Donc pour me dire comme ça. OK. Très bien. M'oblige à sélectionner la question parce que tellement gain en pile et prochaine question et participant mando comment ca expliquer au monde qui possède les qu'un bon bar de fer qui chauffe à blanc et puis pas brûler. On dit ça, c'est pas c'est ça ouais, l'adorcisme. Le ou chevauché par un esprit, corps seulement vignon organon, corps c'est seulement un vaisseaulier. Donc pour, c'est ça que l'esprit de possession, esprit a pris contrôle de où. Et puisque son esprit lié, li ka fait corps qu'un bon barre de fer, mais c'est l'esprit qui tient la barre de fer chauffée à 800 degrés Celsius. Ou ka mange en testant de bouteille, mais ou pas. Il n'y a pas trop mal. Parce que son phénomène hors du commun lié. OK. Et prochaine question. Dans vos doux, quelques mouns qui ont pilé, si mouns n'ont pilé pour faire magie. Il y a un monde qui gagne un respect de la vie humaine. Comment vous comprenez que vous avez posé une action criminelle comme ça? C'est faux. Que moun pile ti moun nan ti bébé nan nan pilon c'est pas vodou qui fait le fel. OK. Ça faut nous mener. Ouais moi-même nous ka ouais ça fait quoi 2 heures m'a échangé avec nous ouais que m'pa gen tabou m'son du point de vue intellectuel m'vle dire la vérité c'est ça qui ban crédibilité de scientifique. Que ka gagne des recettes que on moun ka connaît qui mandé pour sacrifier un petit monde pour gagner tel bagaille, ça existait, mais c'est pas dans le vaudou. Ça, c'est faut nous très clair. Hein? Très bien. Il n'y a pas de sacrifice humain dans le vaudou. Est-ce que je peux être clair là-dedans? Ça veut dire que c'est blague liée. Maintenant, entendez ça. Bon, pas oublier, par le fait que c'est sujet d'expertise. Moi, depuis mon bagaille qui méritait d'être entendu sous ça, m'a suivi. Il y a une dame qui était en entrevue, côté que le dit son certain président, il était pilé, petit bébé dans pilon. Ça, c'est pas vaudou. C'est tellement vrai que, après, moun ka fait bagay ça, elle va jamais mettre pile dans un fort. Donc, c'est ça, nous, les hautes magies ou bien magie, enfin, sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est lorsqu'on moun utilise une recette magique, un savoir spirituel pour le faire du mal. Mais à faire de pilé, petit bébé, enfin,
Non, 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 ça n'existe pas dans le vaudou, soyons clairs. Okay. Très bien, ok. Et un participant, Camille Bénédicte, qui dit que le WAP font cérémonie, est-ce qu'on est capable d'éviter lui? Donc, est-ce qu'on est capable de contacter le WAP comme si son monde nous connaît? Je ne sais pas si sous le piège la question. Question reposée sur un présupposé. Il dit, le WAP font cérémonie, est-ce que je peux inviter? D'abord, si mon nom de bonne foi, il n'y a pas de poser question là. Tout. Mais, deuxièmement, là, on a dit, le map font cérémonie invité, ça suppose que m'on fait cérémonie. Alors, m'a répondu, Dieu, m'a jamais fait cérémonie, papa. OK? Donc, ils sont experts, ils sont vaudouologues, je ne suis pas un vaudouisant, ils sont vaudou. Dans le sens que le réel vaudou habite et j'assume, j'en suis fier. Même pas un vaudouisant. Donc, maintenant, cherchons l'autre monde pour faire cérémonie pour vous, pas moi-même. D'accord? OK. Bon, dernière question, docteur Fizeme. Un participant m'a dit côté fierté qui gagne dans vodou. L'on pense à zombification dans vodou ou est survie système esclavage. Est-ce qu'on pas penser ça? Non, on va penser ça du tout. Ouais, non, même chab joué. Un autre exemple. Sous le droit américain, côté fierté dans l'armée américaine, côté fierté américain gagne sous soit américaine là, soit armée américaine là reposer quand nous connaît que dans l'armée ou gagne les Navy Seals qui leur roi leur mission côté c'est tuer ou tuer monde. Mais ça tu vois ça c'est aussi aliénation, bon clair avec vous. Voyez-vous vaudou son spiritualité initiatique qui reposait sur un pile savoir. Gagner des savoirs dans vaudou qui effectivement, ça c'est important, permettent que yon moun ki ka tue yon moun, ok? Mou pa ka réduire vodou à ça. Fon pa nye vrai que nan vodou a, gen des savoirs qui si m'applique yo, ka conduit à tue yon moun, ka conduit à la zombification. Mais yon vrai vodouisan, moun ki fait ça, ou kon sa rele, li rele l'on vieux bagay. Et moun ki zombifie moun nan, son métier la pratique. Li pa na fè ou m'fo avou. Le ou besoin tuer un moun ou alwè moun nan pou tuer moun nan pou ou c'est ou prend engagement ou. Bam prend illustration ça c'est important permettre pour faut y développer grand pile tueur à gage c'est d'anciens militaires yoyé c'est d'anciens policiers c'est d'anciens snipers yoyé malwè yon tueur à gage on dit le tel adversaire qui t'ai fait tel bagage m'ta remon tuer le pour moi moi m'pa konn ken bezam. Il dit méprime. Mais s'il y exécute volonté comme ancien militaire, comme ancien policier, c'est pas l'armée, c'est pas la police qui est responsable de ça. Monsieur son nèg qui décidait que pour le gagner vili, il a pas pratiqué la terrible profession de tuer moun. Eh bien, de même, il y a des savoirs mystiques dans le vaudou qu'on a utilisé vrai pour ou tuer un cadavre et pour prendre gros bonange bon nan pour l'al travail pour ou. Mais vodou n'est pas réductible à ça. Alors, oui, quand fierté gen nan vodou. Sou vle jwenn bon fierté nan vodou, il y a la thérapeutique du vodou. Sou besoin gen fierté nan vodou, il y a la musique vodou. Sou besoin konnen ki fierté gen nan vodou, il y a cette connexion avec mes ancêtres. Mais mon ami, soyons un peu plus sérieux, pas réduit l'armée américaine à l'œuvre des Navy Seals. Pas réduit, n'est-ce pas, le rôle des vétérans au fait que certains ont aujourd'hui accadé tueurs à gage, de même, pas réduit le vaste savoir vaudouesque au fait que vraiment, il y a utilisé certains savoirs pour tuer même. Moun kap tuer moun nan, li a l'école nan vaudou, li gen savoir ça, puis la vive en tant que zombificateur. Mais si pas des monde qui sollicite un zombificateur, il pas tuer monde et son besoin qu'on ait aussi, ça c'est important pour nous dire. Dans les sociétés secrètes par exemple, tuer un monde qu'on répond à une justice naturelle. Voilà un nèg qui commet des abus et puis il est tellement bien passé dans compte canton, juge sous terre pas qu'à juger, parce que son gros chef lié, il pas pour aller en prison. Eh bien, il y a des savoirs dans le vaudou, dans les sociétés secrètes qui retire nom ça parmi les humains et qui fait la payer ça le fait en dehors de la sphère humaine. Mais ça,
ça fait partie de toute culture. Dans la police, il y a un monde, il y a un policier qui est là pour ronfler un coup. Il y a un autre policier qui est là pour bon ticket. Il y a un policier qui c'est des escouades spéciales, mais dans la rue, l'on est, il fait partie d'un SWAT team. L'on dans la rue, il a calo, même si c'est madame, même si c'est ménager, il a calo. D'accord? Alors, est-ce qu'on dit, mais qui fait que dans la police? Parce que le policier a battu. On est plus équilibré que ça. Voilà. Bon, et sur ce, on a mis fin à la question. Il y a une autre question qui a monté, mais nous ne pouvons pas continuer encore. Il est en 8h20. Nabdou, merci et docteur Fizeme, ou te prend temps pour répondre question. Nous voyons que son un sujet qui passionnant, il y a un pile bagay pour apprendre et un pile bagay que nous pas connaît, un pile bagay pour nous apprendre sous lui et nous quoi son c'est à refaire parce que pas qu'on seule présentation hein, suffit. Donc m'a passé aussi les connan kounyan pour lui ka faire conclusion ensemble avant. Merci encore. Merci Nadège et docteur Fizeme et merci beaucoup. Et en général, son rituel nous toujours prend dernière phase émission, hein, présentation, hein, nous faisons ligne droite pour le mot de la fin. Et nous devons offrir peut-être mon privilège. Malheureusement, je n'ai pas gagné, je n'ai envie de poser une question. Mais question pas, mais malheureusement, je quitte l'île. Mais m'obligez pas, oui, je n'ai pas gagné le choix. Non. Au contraire, je t'ai sacrifié question hein, pour me partager un commentaire avant d'avoir. D'accord. Mais ou gagne une information pour passer par exemple sur l'initiation de Bill Clinton et de Hillary Clinton qui tombe bon mais moi-même n'en bouche pas tout et par Max Beauvoir parce que et on dirait que étranger a des privilèges et que nous-mêmes qui gain monopole cette bagaille que nous pas gagné la donne. Alors mais comme on t'a dit oui pour te permettre moi. Au fait merci. Le fait que son bonne question et chaque temps on dit mon yo que Bill Clinton sont initiés vaudou mon dit ah mon cher Jean monsieur fait nous tort puis garder Max t'est accepté moi même penser le fait que bon monde tant que Bill Clinton qui sont initiés vaudou ça prouvait comment la spiritualité vaudou n'est pas en spiritualité raciste. Alors excusez-moi chaque monde responsable de actio définitivement voilà. Mais souvent, mon petit chance pour me faire point, hein, c'est que nous présenter vos doigts comme un espace quand même, si nous prenons l'angle mode de vie, qui fait appel quand même à des comportements, bien entendu. Alors, moi-même, ça me dit, c'est que, et son base comparative, moi, dit, alors que compatriote Bill Clinton, dans la personne de Peter Schweitzer, en 2015, publié Clinton Cash avec des faits avérés sous des comportements et reprochables. Et puis voilà que nous ouvrons tapis rouge dans l'espace sacré, non? Et au point que même moi connais que dans le titre d'initiation, ça a, et il y a des révélations que tu as supposées, des secrets de guerre, non? Qui remontent depuis 1804, qui révélaient dans certaines techniques que nous gagnons. Voilà que ils révélaient. Est-ce que quelque part, ou pas gagné un sentiment tout, que bon bonne dose d'aliénation cap si on aime pas nécessairement vos doigts mais au moins pratiquant yo. Ah oui bien sûr ou tout à fait guérison mais le vaudou tant que toute activité humaine tant que toute réalité humaine peut être aliénante aussi tu vois faut nous pas oui c'est pas parce que moi-même mon sympathie pour le faire vaudou que me pas rendre moins compte de faiblesse et des limites du vaudou bien sûr que vaudou ca aliénante bon montre dans qui sens vaudou ca aliénante lorsque mon n'a persuadé que s'il pas tue un bœuf pour telle loi loi pas descendre permettre moi expression bullshit OK et pas vrai loi pas manger OK elle dit que si on fait fête ou gen moyen bay bœuf là bay bœuf là même pas vendre caillon pour bay loi bœuf bullshit donc ça veut dire que ouais l'on rentre dans vaudou avec cette mentalité échangiste du do ou des je donne afin que tu donnes je donne afin que je reçoive et nous on a marchandage avec loi donc ou importer dans vaudou bagaille qui pas ta doué dans vaudou ça fait me saute prend exemple Gédéa me dit Gédéa remarrant sol remet chose parce que c'était des humains mais si me bagaille elle ça pas empêcher Gédéa là m'a seulement bagaille fête mettre là c'est normal oui voilà. Définitivement oui, voilà. Et docteur Fizé mais me quitte question hein, c'était plus pour audience là même quitte question hein, et
Parce que je suis sûr que ce n'est pas le dernier rendez-vous, ce n'est pas la dernière rencontre, non? À moins que vous-même vous décidez ces derniers. Ou quand ça me remet avec vous, Osini, ou tellement élégant que vous avez fait son semer en bagage. Mais alors, je vais répondre à ça que. Vous répondez-moi déjà, d'ailleurs. Je suis disponible, voilà. Voilà. Merci pour la réponse. Là. Et docteur Fizeme, son sujet, vous comprenez, j'en ai assez intéressant. Uh-huh. J'en ai nécessaire tout pour nous aborder. Uh-huh. Et vous comprenez que il y a une pile de questions qui étaient pendant. Mais et pour un début, c'est un très bon début. Je pense que nous avons retourné sur plusieurs aspects encore sur la question. Mot de la fin. Prends temps, vous voulez, 30 secondes, une minute. Eh bien, on est capable de faire. Ou ka comprendre que tant que toi canan nous m'té élevé de manière à être hostile au vaudou en tant que pasteur traditionnel, en tant que élève chez les frères de l'instruction chrétienne, en tant que protestant, fils de protestant. Mon cher, béni cette condescendance de ce blanc, de cet anglais, Colin Butcher. C'est condescendant ça qui fait que m'embrasser élément fondamental de culture là. Et qui t'aime dire depuis 96 m'a pli soit fait vaudou mon cher m'a j'en regrette et chaque jour m'a découvre un bagage plus et c'est chaque jour aussi m'a dit tête en nous m'a dit tête en que si m'vienne bay tête moi en mission. La voici, c'est fait haïtien suspend croit que parce que blanc dit vaudou c'est vieux bagaille, parce que blanc dit vaudou c'est superstition, parce que blanc dit vaudou c'est satanisme, parce que blanc dit vaudou c'est whatever, lui même tout faut le cracher sous lui. Ou ka rete yon athée. Mon ami qui sous page là qui sont athées, yon professeur d'université athée. Mais vaudou gagne bagay qui a intéressé même au monde qui a été la pharmacopée vaudou par exemple les rythmes dans le vaudou par exemple c'est des choses qui a objet de grandes recherches et qu'on croyant qu'on pas croyant li pas normal pour détourner une collectivité de identité et c'est ça que me dit que ouais on vire la virer en tant que peuple en tant que collectivité a l'y expliquer aussi par l'aliénation que l'école, l'église responsable la donne. C'est-à-dire, vous faites nous rejeter, ça nous y est. Et vous réalisez que, et ça se conforme à la théologie du vaudou, je n'invite personne à venir vaudouisant. Je ne suis pas vaudouisant. Nous sommes vaudouologues, nous sommes experts du vaudou. Si mal longtemps pour me faire, c'est pour m'observer en ma qualité de scientifique. Mais je ne pratique pas la spiritualité du vaudou en tant qu'un vaudouisant, même si j'accueille le vaudou en moi. M'ba mande pour personne monde vin vaudouisant. Au fond, je me tiens à égale distance de toute religion, parce que toute religion a un potentiel aliénant. Mais m'ba tête moi pour mission de faire haïtien recommencer les mêmes têtes yo. Recommencer remè langyo, recommencer remè kiltio. Et même Jean Price Mas dit, vaudoua, c'est substrat culture haïtienne. Quel que soit aspect de culture haïtienne ou abordé, la bon a fait vaudou là-dedans. Et à souhait à nous prouver, li, ou ap gade tout moun qui sous page là, ou ap gade intérêt moun genye pour sujet là, que l'athée, que le pas athée, que le chrétien, que le pas chrétien, que le vaudouisant, que le pas vaudouisant. Et sinon, tu n'es pas dans l'autre langue que créole, et bien, tu as bien plus de monde toujours parce qu'il y a une profondeur dans le bagage ça, que y a 2, 3, 4 émissions, pas suffit, et qui invite nous toutes continuer à causer. Merci pour l'invitation, nous. Et si tu es utile, honorisant cette yo, parce que tu es utilisé, voilà. Eh bien, merci, docteur Fizeme, et au maître Norio, puisque vous êtes utile. Et nous souhaitons rejoindre encore le prochain rendez-vous pour des sujets, pas nécessairement ça seulement, mais nous connaissons plusieurs codes en cours, entre autres histoire et éducation. Donc, on en reparlera.
et puis pour ce travail partager bon genre l'information qui est capable d'aider nous à avancer plus bien, mais aussi et surtout déconstruire des préjugés que nous gagnons qui sont nécessaires pour nous défendre, pour nous capables émanciper et avancer en grand monde. Merci, porte-toi très bien et n'a fait cette conversation en privé. Me force à tout et puis Kevin là. Très bien. Au plaisir. Mm-hmm.